Hello, hello, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Voilà, tout fait, c'est bon, on est au top là, on est parfait. Hello. Good morning. Ah non, c'est le soir, pardon. Comment ça va? La forme, bah tranquille, écoute. Tranquille, tranquille, je vois que Barcola est rentré, il était décisif. On est pas mal au niveau de Sorare là pour l'instant. Tagliafico qui est titulaire. Bah Maignan qui fait un match de merde, il encaisse. Et Messi, il est là les gars, il est là Messi, le match il est pas annulé. Tagliafico et Messi qui sont là tous les deux. Nickel. La petite pub, ouais bah. C'est juste que leur pull il est confortable, hein, Juventino, c'est même pas pour leur faire de la pub. Leur pull il est super confortable, il est super épais, il est top. Franchement, il est d'une épaisseur. Il est encore plus épais que celui de Sorare. Et il est vraiment. En termes de confortabilité, il est mieux. Oh putain, l'Angleterre qui a perdu 2-1. Mais non. Mais non, l'Angleterre qui a perdu 2-1. Incroyable. Et Bellingham. Bellingham qui joue. Oh, Saka sorti sur blessure. Merde. À l'instant match repoussé. À l'instant match repoussé. Jusqu'à voir si l'on peut jouer ou non. Ah pour l'instant il est repoussé. D'accord, ça marche. Salut le phénoméno. Ah ouais, il est super épais, il est top. Saka blessé, merde. Dommage. Et Rice qui a rien branlé. Hein. Ah ouais, ils ont été nuls l'Angleterre face à la Grèce. Quel match de merde. Ça c'est la line-up de merde du coup, hein. Dembélé il a pas été décisif non plus. Oh taquet, il est rentré. Bon, Bellingham il était dans une team poubelle hein, parce que je savais pas trop. Il y avait des doutes, je l'ai pas mis. On va pas faire grand chose. Hein. Doku pas décisif non plus. Il me reste que celle-là pour rêver, j'espère que ça va jouer l'Argentine quand même. 20 visionnages, et ouais, t'es là tous les soirs. Merci pour le shop épinglé. Salut Denexus, comment ça va? Bon les gars, ce soir au programme, je regardais juste là, on va regarder s'il y a le match qui se joue quand même à 23h là. Je vais le mettre en fond là, comme ça on verra si ça joue ou pas. En espérant que l'Argentine fasse un gros match, si on va aller chercher quelque chose ici là. J'ai eu la chance avec Barcola qui est rentré et qui a été décisif. La fin du match était pas mal. Hein. Et Guendouzi, il a fait quoi? Parce qu'il est rentré, il a fait deux actions décisives. Guendouzi, 82 en 13 minutes, impeccable. Je sais pas si vous l'avez vu jouer, mais c'est on dirait un gros bourrin. Et ça passe, ces trucs. Mais t'as l'impression qu'il est maladroit avec dans ses gestes et tout. Même si ça joue avec la piscine, ça fera des scores de merde. Encore, je vais rater 25 la semaine la dernière fois, sinon je suis à 99% du temps. Hein. Merci Juventino, merci. Bon, t'as ouvert tes colis, ça va, ça t'a fait plaisir. Légende Mathéo. Salut Alpaga, ça va? Bon bah les gars, au programme ce soir. Je sais que ça va vous plaire. On va faire la Bundesliga. Il reste pas grand chose. J'ai mis les spots vraiment pas chers. Il reste le BBA25. On ouvre 6 blasters. 6 blasters. Je tiens à le préciser parce que si vous ramenez le prix au blaster, ça fait pas cher. Si vous ramenez les petits prix là, 9€ pour 6 blasters. Sur les petits prix, le BBB à 25, vous divisez par 6, ça vous donne le prix au blaster. Ça fait pas cher. Donc il reste des petites équipes, à part le BBB. Ouais, très tellement j'ai eu des belles cartes. Ouais, c'est clair, j'ai vu un peu les photos, c'est cool. Et ensuite, je vais finir les enveloppes, les gars. Alors les enveloppes, il y a eu des faux mots sur des enveloppes. Si jamais on vend pas toutes les enveloppes, c'est pas grave, je fais le tirage au sort quand même et puis il restera des enveloppes, c'est pas grave. On va faire une chose les gars, toutes les enveloppes elles sont à 30 jusqu'à ce que Musiala y tombe. Et après je les descendrai à 20. Je les tombe à 20 dès que Musiala y tombe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par ouvrir les enveloppes. On va commencer par ça et après on fera la Bundes.
Papalapap. Comme ça, je vous motive un peu avec les enveloppes. Donc, dans une des enveloppes, il y a Musiala, les gars. Nous avons une bonne nouvelle. September est terminé, mais les remises sur les abonnements cadeaux sont toujours valables. Pas la petite Merlin ce soir? Eh non, Juventino. Il n'y a pas la Merlin. La Merlin, elle est pas faux entièrement. Et puis en plus, il faut que je les reçoive. J'en ai qu'une là de Merlin. Je dois les recevoir là. Ouais, il reste trop de Merlin. Il reste trop. Là, on part sur la Bundes et sur les enveloppes. D'abord les enveloppes, et après la Bundes. 6 blasters, tranquille. Au calme. Papalapap. Et ouais, les Merlins. Il y a Boss qui m'a dévalisé l'autre soir. Et j'attends mon carton là. Il y a une caisse qui doit arriver. Demain, j'ai la. De sûr. J'ai reçu la notif là, Alpaga. J'ai les. J'ai la Futera qui arrive, donc on pourra ouvrir ta Futera que t'as FOMO. Elles arrivent demain matin. J'ai galéré ce matin, il fallait que je dédouane. Et j'ai galéré de ouf. Et j'ai réussi. C'était bloqué à Paris, il fallait que je le dédouane. Donc j'ai dû faire toute une manip, m'inscrire sur un site de douane FR et tout. Mais ça y est, c'est sur la route et ça arrive demain. J'ai eu la notif UPS là, demain matin entre 11h et 15h. Voilà, donc ça c'est bon. Donc demain soir, on pourra se faire la petite Merlin si t'es chaud. Et là, on arrive sur la fin du stock. Hein. Donc là, on va faire 6 blasters. Après, il ne restera que de la Juve. La Juve et les Futera qui vont rentrer. Voilà. Et j'attends. Je sais pas si mon carton il arrive demain de Merlin. On verra. On verra bien. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai les enveloppes, les gars. Je vais regarder qui c'est qui avait FOMO des enveloppes. Si la personne est là, parce qu'il faut qu'elle choisisse évidemment ses enveloppes. Tant pis, tout n'est pas vendu, mais c'est pas grave. Je reporte officiellement d'une demi-heure pour l'instant, début 23h30. Ok, ça marche, Tom, merci. Merci de nous tenir informés sur l'état du match Argentine. J'espère que ça va se jouer quand même. Alors, les enveloppes. Les enveloppes. Nexus et Kevin, on a ouvert. Il y a Joe Trivial, je sais pas si t'es là. Joe Trivial qui a FOMO deux enveloppes. Joe Trivial qui a FOMO deux enveloppes. Si t'es là. Donc les enveloppes mystères, les gars, elles sont à 30. Tout n'est pas vendu, donc tant pis. Ce que je fais, c'est que j'ouvre au fur et à mesure là. C'est à 30 tant que Musiala n'est pas tombé. Et après, je tombe à 20 les prix. Hop, FOMO. Qu'est-ce qu'il a FOMO, Kev? Un petit spot Bayern de Munich sur la Merlin. Et le BVB. Let's go, Kevin. Pour une fois, je vous ai laissé le BVB. D'habitude, je le prends pour moi. Et là, je vous l'ai laissé parce que BVB, il faudra que je vous montre ma collection d'autographes. Là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'autographes. J'ai l'autographe patch de Giovanni Reina. L'autographe en muséum. En muséum, j'ai aussi l'autographe sur 25 sur 25 de Sabitzer. Donc j'autographe sur 25 de Nico Schlotterberg aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, Lordfoul me l'avait offert. Et j'ai l'autographe Merlin de Gittens. Le Bundesliga en insert de Mathias Sammer. J'ai une auto numérotée sur 49 de Edmecha. Et j'ai une auto on card de Niklas Süle. Voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai. J'en ai qui doivent arriver encore. Donc sur le BVB, on commence à être bien, on commence à être très très bien. L'objectif, c'est de choper le maximum d'autos de... Alors, un seul auto par personne, c'est vrai que j'ai 5 autos de Soule ou 5 autos de d'Intel. Il me manque une belle Bellingham là, une belle Bellingham. Alors, il y avait Psycho qui en vend une en PSA 10 et 10. Elle est très très belle, numérotée sur 25 aussi. Ce que je kiffe, elle est numérotée sur 25. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'elle n'est pas en rookie card. Donc pour le prix qu'il m'annonce, je préfère attendre un peu et essayer de choper une rookie card. Parce que je pense que je peux en choper une, même si elle n'est pas PSA 10, c'est pas grave. Salut Girondin. Donc je préfère attendre un peu, mais je pense que pour le prix qu'il m'annonce, je peux attendre un peu. Voilà. Donc Joe Trivial, est-ce que tu es là ou pas? J'ai pas regardé sur le... Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est sur le chat ou pas? Sinon je le hashtag sur le Discord. Tout simplement. Je vais hashtag sur le Discord.
S'il veut qu'on ouvre ses enveloppes. On verra bien s'il répond. Pas l'impression. C'est les gros kicks, comment ça va? S'il n'est pas là, on va commencer. C'est pas grave si vous n'avez pas fumé les enveloppes. Donc là, on a sur 30 euros l'enveloppe, les gars, avec une autographe ou un patch par enveloppe. Dans une des enveloppes, il y a Musiala signature on card et Alichu en giveaway pour les acheteurs à la fin. J'ouvre dans l'ordre d'ouverture pour les enveloppes. Donc là, c'est Joe Trivial qui doit ouvrir la danse. Le phénoméno, il est là. Qu'est-ce qu'il a fumé, le phénoméno? Gladbach et Francfort. Let's go! Et ben, je vais commencer à préparer le petit bandeau parce que ça a bien FOMO. Donc je vais me mettre sur l'autre écran. Merci beaucoup El Phenomeno. La Bundes. Phenomeno, j'ai pas FOMO le carton de. Et Alpaga aussi, j'ai pas FOMO le carton de Hobby Box en Bundesliga. Je dois avoir au minimum 40 frais de port MDR. Je vais te les enlever, ça j'ajuste après le phénomène. Question, Matt, tu le connais, TheBen67, sur ton Discord. Il vient d'arriver, je pense qu'il arrive de chez Psycho. Faut lui demander, mais j'en ai beaucoup qui arrivent de chez Psycho là. Parce qu'ils ont capté que je faisais du break. Et du coup, il m'envoie. Il y a du monde qui arrive, quoi. Du Discord de chez Psycho, donc peut-être il vient de là-bas. Faut lui demander, hein, tu demandes. Personnellement, non, je ne connais pas Girona, sinon. Personne, pas très classe et manque de respect. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Là. Sinon, ça peut attendre. Je dois faire mon show maintenant. Ah, ça y est, il est là. Il est là. Oui, si tu peux. Sinon, plus tard. On fait la Bundes avant. Drama. Pourquoi pas très classe? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas vu. Il s'est passé quoi? Vous êtes MP? Quelqu'un pour faire des tranches de prix. J'ai vu qu'il demandait des tarifs, à peu près. Moi, j'avais répondu aussi. Ben, cette personne préfère bloquer les gens plutôt que de dire qu'il n'est plus intéressé par une vente. Il t'a bloqué? Oh, mais tu l'as harcelé, toi aussi. Je rigole, je sais pas. Ok, ça marche. C'est le deuxième compte de l'Eurotour vu la description. Ok, ça marche. Bon bah écoute, il t'a bloqué. D'accord. Que dire? On prend la peine de lui répondre gentiment. Donc perdez pas votre temps avec lui. Bon écoute, ok. Ça marche. Bah moi je réponds, hein, c'est sur mon Discord, s'il me pose une question, je serai obligé de lui répondre, tu comprends bien. Tout sauf 7 et 11. 1 à 16. Et plus tard, c'est... Tout. C'est pas urgent, Joe Trivial. Je vais voir avec lui là sur le Discord. Parce que, comme c'est le seul à avoir FOMO des enveloppes là, il a deux enveloppes. Ça bloque pas puisque personne n'a FOMO derrière. J'explique que ça bloque pas parce que. Salut monsieur Coco, comment ça? Oui, t'inquiète, Matt, c'est au moins vous êtes au courant. Pas très fiable le garçon. D'accord, ça marche.
Bah écoute, on verra bien. On verra bien avec le temps. J'attends la réponse j'attends la réponse, les gars, de Joe Trivial sur le Discord, et puis on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe, comment on va commencer. Là, on était sur les enveloppes, donc. Salut, comme Wesh, comment ça va? Comme Wesh qui est tombé dans le piège des ouvertures, et il a fait une. Ce sera la 4 et la 12, mais on les ouvrira plus tard, alors merci d'avoir averti. On les ouvre plus tard, pour l'instant il choisit la 4 et la 12. Donc très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la 4 et la 12? Qu'est-ce qu'il y a dans la 4 et la 12? La 4 et la 12 il a choisi. On verra plus tard s'il repasse pour ouvrir. Pour l'instant il peut pas. Donc ça bloque pas parce qu'il n'y a pas de FOMO, mais s'il arrive. Tu disais quoi pour les box Bundesliga? Ah oui, je te disais le phénomène. J'ai pas commandé la case de Hobby Box. Donc si tu veux en commander toi de ton côté. Parce que là j'avais une case. Moi quand je prends des cases c'est beaucoup plus intéressant. Mais pour quelques boîtes, c'est pas intéressant du tout pour moi. Donc si vraiment t'en veux une, là moi j'en ai plus. J'en ai une que je me garde parce que comme je me fais la collection Bundes, je me la garderai dans une vitrine scellée en fait, jamais ouverte. Mais j'ai pas l'intention d'en reprendre parce que voilà, c'est super dur à vendre. Et il y a que Alpaga jusqu'à maintenant qui en faisait avec moi. On était deux sur les breaks et ben voilà, je peux pas me permettre de pas gagner à chaque fois quoi. Même si j'ouvrais pour moi, mais maintenant ma collection elle est quasi complète. Personnellement, pour ma collection, moi j'achète maintenant à l'unité sur Vinted ou sur eBay, ou plutôt que d'acheter des boîtes à 90 balles, je préfère acheter quelques cartes de temps en temps à l'unité quoi. On en a fait tellement, on en a fait beaucoup. Je sais qu'Alpaga il va être déçu. Mais bon, moi aussi, voilà, il faut que je fasse tourner et je préfère garder là pour acheter les. J'ai précommandé les Stadium Chrome. Donc il y a des priorités. Je sais que les Stadium Chrome, tout le monde va se jeter dessus. Que la Bundes, non. Donc voilà. Prébourg à 9, Matt, si tu veux, je te le prends pour ouvrir plus vite. Là, je ferai pas de prix parce que je suis déjà au rabais. Si tu fais le calcul de la totalité des spots, Juventino, tu verras que voilà, je suis au juste prix, quoi. Je peux pas faire de prix là sur la Bundes, je suis vraiment au taquet là. Les spots sont vraiment pas chers, hein. Quand vous ramenez ça à une ou deux box. Quand je voyais hier que chez Girondin vous faisiez des FOMO sur des spots, sans, vous négociez pas chez Girondin par exemple. Et les prix des spots il est moins cher là. Donc, salut Clem, ça va? Parce que là on ouvre 6 blasters. Hein. On en ouvre 6. Salut CC. Surtout Fribourg. Fribourg, il peut y avoir des bonnes cartes. Je me souviens plus dans quoi il y a les. Attends, Fribourg, il a combien? Fribourg, il a 12 parce qu'il y a une relique possible. Ah, mais oui, totalement. Après, les enchères, on se fixe un prix à nous-mêmes. Tout à fait, exactement. Après moi j'ai fixé le prix par rapport aux cartes qu'il y avait, ou s'il y avait relique ou pas relique. Et là il y a une relique possible de Fribourg. Donc content de dire que je préfère le garder puisque je fais la collection des reliques sur 25. J'en ai déjà 3 sur 10. Deux que j'ai ouvert avec énormément de chance parce qu'on en trouve une sur 1120 blasters. J'ai oublié d'envoyer tout à l'heure mais j'ai chopé aussi l'auto de Zaire Emery. T'as comme moi, t'as eu des très très belles boxes. Hein. T'as eu une très très belle box. Hein. Vraiment. Bon allez, on va faire le bandeau. On va faire le bandeau de ceux qui ont FOMO sur la Bundes. On va faire ça maintenant. Alors Bundesliga, c'est le break que je regarde, 88. Mais tu sais que je me suis dit. C'est sûr, c'est du fake. J'ai vérifié parce que la box est vraiment abusée. Mais ça arrive, comme Wesh, moi j'ai eu des box vraiment abusées des fois. J'avais des box où il était annoncé 3 signatures, j'en avais 5.
Donc des fois, t'as des box qui sont un peu boostés. Non, non, le site que t'as commandé, c'est pas du fake. Hein. C'est très très bien. C'est parfait même. En break 88. Bundesliga. Ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oui, mais que tout est traité. Bugué le bordel. Je dis, mais quand Bundesliga, je l'ai mis ce matin. Bah, ça va être facile à retrouver du coup. J'étais choqué tout à l'heure quand j'ai l'auto laser de Vini, j'ai sauté au plafond, tu m'étonnes. C'est une dinguerie, hein. Franchement, nickel. Hein. Alors, notre Skinox, il a pris. On va faire le bandeau. Notre Skinox, il a pris Bayer Leverkusen sans surprise. Notre Skinox, t'es là? Parce que je sais que toi, tu m'as demandé si j'ai envie ton colis demain. Je sais que toi, tu dois déménager. Donc, c'est comme tu veux, si c'est chaud. Après, j'ai un problème avec Mondial Relais. Ah oui, je tenais à vous le dire, il y a une grosse. Mise à jour Mondial Relais ce week-end. Peut-être vous en vous rendrez compte sur WhatNote. Mais ce week-end, Mondial Relais sera complètement fermé au niveau des commandes. Alors, les colis qui sont déjà envoyés, les camions vont tourner, hein, il n'y a pas de souci. Mais le traitement des commandes sera retardé puisqu'ils vont être complètement en maintenance de samedi jusqu'à lundi matin. Donc, il y avait des gros bugs là sur les messages. Aujourd'hui, j'ai essayé d'envoyer j'ai fait des cartons, je vous ai envoyé les mails et personne ne les a reçus. Donc il y a une grosse maintenance ce week-end. Donc vous inquiétez pas, c'est vrai que là, c'est la semaine dernière, on avait eu le même problème. Vous avez reçu même les mails après en pagaille. Casse-tête, Mondial Relais. Oh, bah, c'est après là, tu vois, il y a un problème, ils font une maintenance, ils règlent le problème et on n'en parle plus. Voilà, ça arrive. Il y a des choses quand tu as des sites à gérer, il y a forcément des maintenances et des trucs. Moi qui fais des sites, enfin, je le sais. Le site, il y a toujours des maintenances à faire, des mises à jour et des trucs comme ça. Donc, ça va être le bordel la semaine pro alors. Bah, c'est pas que ça va être le bordel, hein, c'est juste que le site, tu pourras plus. Tu vois, je pourrais plus traiter les commandes. C'est-à-dire, je pourrais pas peser un colis, vous envoyer un mail et payer et valider tout ça. Là, déjà, c'est galère. Donc, j'ai hâte qu'ils fassent la mise à jour parce que il y a 3-4 personnes à qui j'ai envoyé des mails aujourd'hui, ils ne les ont pas reçus. Et il y a une personne qui l'a reçu. Elle m'a validé, j'ai reçu la validation, je vais pour payer, ça marche pas. Donc Mondial Relais est un peu en. Un peu, voilà. C'est un peu la baise là. Donc on attend que ça se règle. Donc break 88. On va ouvrir du Tops Bundesliga. Donc là on est sur des blasters, il y a les cartes 60e anniversaire. Alpaga et moi, on essaie de faire la collection de toutes les 60e anniversaire, ce qui est pas facile. C'est la Top Scrum Bundesliga. T'en as une par paquet. Enfin, t'en as une par paquet, mais il y a des paquets où il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a 4 par 4 par blaster des cartes comme ça. Et il peut y avoir des reliques. Il peut y avoir des reliques. Les reliques, j'en ai 3. Je vais vous en montrer une. Voilà. Les reliques, elles ressemblent à ça. Les reliques qu'il y a dans les box. Donc voilà, moi elles sont numérotées sur 25, elles existent en numérotées sur 40, avec les 60e anniversaire brillant derrière, comme sur les cartes 60e. Là elle est sur 25, elle existe en sur 10 et en sur 5 et en one of one. Voilà. Donc en 40, en 25, en sur 10, en sur 5 et en one of one. Moi je fais la collection des 25, j'en ai une deuxième comme ça. J'en ai une troisième qui n'est pas encore arrivée. Mais j'ai chopé la troisième sur 25 de Griffo, pareil. Donc là j'ai Hugo Larsson. Donc c'est avec des morceaux de ballon, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a le morceau de ballon sur la gauche, c'est le ballon du match usagé. Et ça c'est le ballon neuf. Voilà, double balle match. J'ai vérifié à l'instant et rien reçu au cas où. Ouais, ça marche comme moi, je vois, mais c'est bugué. Là, c'est indépendant de ma volonté. Mondial Relais qui bug, ils vont faire la maintenance et après, on va régler ça. Je suis désolé, les gars, pour ce week-end, pour les colis, si jamais ça part pas, mais voilà, j'y peux rien. C'est un peu bugué là. Ils m'ont dit de rien toucher, d'attendre la maintenance et après, au pire, d'installer. Alors, ça me plaisait pas d'installer
le mondial relais directement sur mon site. Moi, je préférais le faire manuellement parce qu'au moins, ça me permettait d'envoyer quand je voulais, de faire moi les poids parce que je pesais les trucs et tout. Si je l'installe sur mon site, ça va être un peu comme sur OneNote, ça va être un peu dépendant des poids, des machins et tout, c'est un peu chiant. Donc, moi, si je peux continuer à le faire en manuel, ça m'arrange. Et même pour vous, c'est mieux. Oh, pourquoi il buguait la caméra? On va ouvrir ça. Alors, Top Scrum Bundesliga 2023-24, on va changer le bandeau maintenant. J'ai fini de trier les trucs d'hier. Ça, c'est bon. Note Skinox. Rien de grave. Non, rien de grave, ça retarde un peu le départ des colis, quoi, c'est tout. Ça m'embête parce que. Déjà que je vous fais attendre un peu, je suis pas. Voilà, j'essaie d'accumuler pour réduire les frais de port pour pas que vous ayez 12 euros de frais de port à chaque commande. J'essaie de grouper pour que vous ayez que 6 au lieu de 12, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends, que j'envoie pas tout tout de suite à chaque fois. Si je vois que vous avez FOMO sur plusieurs breaks. Alors après il y a eu le Butch il a FOMOté. Mais non, ça c'était Feyenoord. Le Butch, après il y a eu Exo, c'est pareil, c'est sur la Merlin. Alpaga, ah oui Alpaga il a FOMOté. Alpaga il veut compléter la collection, donc on va regarder ce qu'il a fait. Alpaga il a presque tout pris. Alors Werder Bremen. Werder Bremen. Union Berlin. Et félicitations à Alpaga qui a FOMOté la première Futera unique qui arrive demain. Donc demain soir, on se fera certainement l'ouverture de la première Futera unique, les amis. Donc une case complète, hein, ça veut dire qu'on va ouvrir 4 box. Et dans une case, il y a toujours une dinguerie. Donc j'espère que ça va être une grosse dinguerie. Il m'a demandé de lui trouver de la Belgique. On va essayer. D'ailleurs, mon daron a fait l'acquisition de 3 Kria suite au décès d'Hector, le papa d'Alpaga. Il est fou celui-là. Wolfsburg. Après, il a FOMOté Stuttgart. Leipzig. Darm. Bayern Munich, Bayern de Munich, Bochum et Edenheim, je crois. Edenheim. Vous verrez qu'il y a deux spots que j'ai pas mis, c'est Hertha Berlin et Kaiserslautern, parce qu'il n'y a qu'une seule carte. Et du coup, si elle tombe, je les mettrai en giveaway à la fin du break. Je vais pas vous mettre un spot pour une carte. C'est un peu con. Donc du coup, je préfère les mettre en giveaway à la fin si elle tombe. Et elle tombe souvent, hein, surtout sur Sieblister, je pense qu'on risque de les trouver. Et donc toutes les cartes Hertha Berlin et Kaiserslautern qui tomberont, elles partiront en giveaway à la fin du break. Joventino, il a FOMO l'AC Milan. Kev, il a FOMOté le BVB. Kevin. C'est inversé en majuscule les pseudos et en minuscule les villes. Ok. Et ensuite, on a le phénomène. Il y a FOMOté Gladbach, et Francfort, ça tombe très souvent. Je crois qu'il y a une relique aussi Francfort. Yes, c'est le bébé Alpaga si tu préfères.
Je vais appeler le Maltops. Alors c'est bon, c'est tout ce qu'on a fait. Tut tut tut. Ça c'est ok. Et ça c'est ok. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tout validé. Qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe du coup? Donc ça c'est 23h30. Qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe? On va regarder. Il nous reste Augsbourg, Fribourg, Cologne, Mayence. Si personne les prend, bah je les laisse. Je les prends pour moi. Comme ça, si je me chope des cartes 60e anniversaire, ça me va. Mon offre est restée la même jusqu'au début d'ouverture si tu veux. Ça marche, Juventino. Bah, étant donné que je cherche la relique, je serais dégoûté de faire un prix dessus et que la relique elle tombe, toi. Donc, s'il y a bien une équipe que je pense faire pas partir, c'est celle-ci. Fais voir, Fribourg. Fribourg, il y a Griffo. Ah, mais je l'ai Griffo. Je l'ai Griffo en relique, j'en ai pas besoin. Après, il manque les 60e. Au pire, je peux les trouver sur. Bon, allez, je te le fais. Je te la sors à 9. T'as la chance, j'ai déjà la relique. Donc, au moins, si elle sort, j'aurai pas de regret parce que je l'ai déjà. Je te la fais tout de suite. Attends, bouge pas. Je te sors Fribourg à 9. Papa la pep. Pop, pop, pop. Et j'espère que tu auras. Quoi, écoute. Bonne chance pour la relique si elle tombe. Merci, c'était pour m'enlever les frais d'envoi surtout. Ah, merci, c'est aimable. Pas de soucis, t'inquiète. Pour t'enlever les frais d'envoi? Normalement, c'est ok là. Pour t'enlever les frais d'envoi? T'avais quoi en commande là? Faut voir, Juve. T'avais qu'un truc en commande, je crois, pour l'instant. Joventino. Aujourd'hui, c'est fait. Ah oui, parce que t'avais l'AC Milan, j'ai compris. Et l'autre fois, t'avais pris Leipzig sur l'UEFA. Bah là, si tu refais moi, ouais, je t'enlève les freins d'envoi sur le dernier. Sur le dernier. Tout, tout. De toute façon, maintenant, j'ajuste au poids. Hein. Quand je pèse et que je vois combien je paye, après, j'ajuste. Je vous retire ce que vous avez payé en surplus. Comme je t'ai fait l'autre fois, en fait. Après, on attaque. Il y en a 6 à ouvrir. Bon, ce sera les 6 derniers. Après, je pense que j'en ferai plus de la goodness comme ça. Ou alors, ce que je ferai, c'est le jour où j'en ferai, c'est parce qu'il y a des big promos sur les boîtes qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et j'en reprendrai. Mais là, actuellement, les boîtes sont très très chères. Hein. Les prix baissent pas sur ces boîtes-là pour l'instant. Donc, je pense qu'elles vont pas tarder à baisser, à mon avis. Donc, je vais attendre les promos. Là, comme il y a des nouveautés qui arrivent et tout, les gens vont se concentrer ailleurs. Celles-ci, les ventes vont baisser. Et je vois les prix là sur les 2022, 2023 et 2021, 2022 qui baissent. Ils sont très très bas. Donc, je me dis que ça, je préfère attendre. Si je rajoute un top loader ou boîte, l'envoi passe à 7 €, c'est normal. Alors c'est normal, Juventino, t'inquiète pas, je vais te le rembourser. C'est parce que en fait, les top loaders, je les calcule au poids. Et en gros, dès que tu FOMO un truc, un top loader, t'as la livraison dessus. Et si t'en prends 10, et bah t'as le poids. En fait, c'est vraiment calculé par rapport au poids sur les top loaders et tous les accessoires, les livres, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai pesé chaque objet. Et si la personne m'en commande 25, et ben elle paiera par rapport au poids du truc. Donc bah, de toute façon, fais comme d'habitude, paye et puis je te rembourse, Juventino. Je te fais le remboursement dans la foulée là. Ce sera peut-être même pas débité si je te le rembourse tout de suite. Mais je suis obligé de faire comme ça parce que je peux pas faire par exemple pour
une commande 3 euros parce que si le mec m'en commande 50, ben le poids il est pas le même et moi le prix il est pas le même à l'envoi. Là c'est normal. Là c'est quelque chose que je peux. Autant les accessoires c'est quelque chose que je peux peser et calculer que sur les breaks je peux pas faire parce que je sais pas si vous avez, si quand on ouvre vous allez avoir une carte, 10 cartes ou 50 cartes. Donc sur les cartes je vous fais les remboursements au fur et à mesure. Que sur les accessoires je peux le calculer. Je peux calculer le coût sur 1, 10, 20, 100. Le match va démarrer, let's go. Bah écoute, j'espère que Tagliafico va faire un beau match et que Messi va être décisif. Hein. Si on veut reward un peu, gagner un peu de cash. Les Hobby Box Impact. J'en ai pas ouvert des impacts. Moi j'avais ouvert ce qu'on appelait les gold, c'était pas mal. Les gold, elles ressemblaient à ça, les cartes. Je te montre une numérotée sur 25. Donc après les bases, elles étaient à peu près pareilles, sauf qu'elles étaient noires. Moi j'avais fait les gold. Ouais, les gold, c'était comme ça. C'était vraiment pas mal. Et il y avait quelques inserts sympas aussi. Les impacts, je sais pas du tout à quoi elles ressemblent. Je viens d'avoir les frais de douane. Pour les minettes, je suis deck, c'est énorme. T'as commandé en Pologne, Alpaga? À mon avis, c'est parce que t'as commandé en Pologne. C'est 20%. Hein. Est-ce que c'est sur un site polonais que t'as commandé? Parce que vu les prix que tu m'avais dit, à mon avis, c'était là-bas. Ah ouais, je les ai eus pour les Futera aujourd'hui. Et ça va, j'avais calculé, ça tombait comme ça. Merde, tout le bénéf dans les frais de douane. J'espère une one of one dans la box. Bah ça se calcule, tu sais que tu vas avoir 20% de frais de douane normalement quand tu commandes à l'étranger. Après, pour un particulier, ouais, je sais pas. Ouais, c'est parce que en tant qu'entreprise, c'est normal. Après, en tant que particulier, ouais, c'est parce que tu te fais livrer par UPS et UPS, il... C'est good, j'ai payé l'envoi en 7 et j'ai mis mon code 12 euros. Et ça faisait 11, donc tu verras et tu me diras en MP. T'inquiète, t'as ma confiance. Attends, je vais te dire ça. Juventino. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Expédition, t'as eu 7 euros. Ah, parce que t'as calculé les trucs sur les top loaders, du coup. Deux articles, réduction 11, 11. Ok. Je te rembourse de suite. Je t'ai remboursé les frais de port là déjà, c'est déjà fait. Non, t'as reçu la notif, t'as reçu un mail. Mais t'as rajouté une pochette, j'ai même pas vu. Nickel. Ah oui, t'as le droit à une petite réduction de 11, t'as bien fait. En Angleterre, t'as commandé? D'accord. Ah, Alpaga, t'aurais dû me le dire. En Angleterre, faut jamais commander. Les livraisons, elles sont hors de prix en Angleterre. Salut Ken, ça va et toi? C'est le pire pays où il faut commander. T'aurais commandé aux États-Unis, c'était pareil, t'aurais payé le même prix. Donc c'est bon pour toi, Juve. Faut que je note que t'as une petite pochette en plus. Comment je vais faire pour pas l'oublier? Je vais te le mettre tout de suite. Et je vais te mettre les. Alors attends. Je te mets tout de suite la pochette avec son support. Comme ça, j'oublie pas, t'en as pris quoi? Un? Ouais, t'en as pris un. Je te mets tout de suite dans ton enveloppe pour pas oublier. Un petit support. Avec une petite pochette. Je commande au Liban en ce moment, perso. Voilà, petite pochette avec ton petit support, je te le mets dans ton enveloppe. Juventino. Comme ça, j'oublie pas, toi. Parce que ça, c'est le genre de choses. Je suis capable d'oublier, toi, si je le fais pas tout de suite. Bon, bah, on est parti pour l'ouverture, alors. Je me garde les spots qui restent. Il reste Augsbourg, Cologne, Mayence. Augsbourg, Cologne, Mayence.
Ah ouais, l'Angleterre. Je l'avais déjà dit, je crois, une fois en live, que l'Angleterre, bah, sur les breaks, tu vois, sur les breaks. Les mecs qui font des breaks en Angleterre, tu te fais assassiner parce que quand tu commandes en France. Rien que tu regardes sur eBay déjà, sur eBay, regarde les trucs qui sont en Angleterre, t'as 25 €, 30 € de frais de port à chaque fois. Yep, nickel, la boîte ira pour griffe aux reliques. alors les reliques sont un peu épaisses, ça rentrera pas dedans. Je te montre un peu. La boîte ira pas du tout pour une relique, parce que la relique elle est un peu épaisse. C'est des boîtes en. Que je me. Attends, que je me trompe pas, c'est du 260 d'épaisseur. 260 pt d'épaisseur pour les reliques. Voilà, c'est des pavés. Hein. C'est vraiment très épais. Là, c'est pour une carte normale que t'as pris. Pas de midnight à ouvrir? Non, pas de midnight à ouvrir. Les midnight ne sont pas encore arrivés, Ken. Les midnight, elles viennent de passer à la douane, apparemment. Alpaga s'en est rendu compte. Le match vient de commencer. On va suivre ça de près. Putain, j'ai commandé Alpaga, j'ai commandé plein de cartes, je te montre vite fait. Parce que ça, on n'en a pas eu beaucoup. Les top 11. Les top 11 comme ça. J'en ai commandé plusieurs parce qu'on les sort quasiment jamais, c'est super chiant à sortir. Et aussi les autres, là, les 60e anniversaire des légendes. Voilà, ça et des top 11, j'en ai commandé. Parce qu'on a du mal à les trouver, et du coup, je les commande à l'unité, ça va plus vite. Alpaga prix cher. Bah, ils s'y attendaient pas en fait. Venant d'Angleterre, c'est vrai que tu tapes les frais top, ça c'est. C'est marrant qu'en tant que particulier, il te les compte, ouais, c'est possible. Hein. Ça c'est toujours la surprise quand t'es particulier, tu les as ou tu les as pas, mais. Parodie de foot Venezuela-Argentine. Terrain gorgé d'eau, le ballon ne roule pas. C'est vrai, attends, on peut regarder 30 secondes. Je vais voir un peu. Attends, je vais sur X, je regarde 30 secondes si on le trouve. T'as 20 notifs. C'est passé quoi là, 20 notifs? Oh putain, vous croyez vraiment que je vais lire tout ça? J'irai plus tard. Hein. Je suis sans doute encore dans l'euphorie des maillots. Je me suis dit. Vraiment très classe. Ah, madame est enceinte. Alors attends, c'est quoi que je vais chercher? Venezuela. Venezuela. Argentine. Putain, comment ils vont jouer là? Mais le ballon il va s'arrêter net à chaque fois qu'il va toucher le sol. Truc de fou. Bon. On verra ça plus tard. Nous on est là pour ouvrir des cartes les gars. Allez c'est parti, premier blaster, on va en ouvrir 6. Et que je me trompe pas. Je mets de côté, j'en garde toujours un. Toc. Peut-être je m'en ouvrirai un pour moi à la fin. Non, ça va, c'est pas pire que le match Monaco en LDC. Allez, let's go les gars. Je vais enlever le break quand même pour pas que quelqu'un faumote au cas où. Donc le produit, je l'enlève. S'il y en a qui veulent le lien des joueurs dispo, là je vous le mets dans le chat. Parce que je vais enlever le break, donc vous auriez plus accès après. C'est Mousticox, ça encaisse ou pas? C'est bon, je sais que je commande plus jamais hors Europe. Bah, tu peux hors Europe, hein, tu peux commander des fois, mais t'as pas toujours les frais de douane, quoi. En Angleterre, tu les as tout le temps. En Angleterre, c'est automatique. Eux, ils lâchent pas. Hein. Dès que ça passe. Alors, Bundes, je l'enlève. Il reste 3 équipes. Brouillon. Enregistré. Sans caisse, écoute, on va ouvrir 6 blasters là, Mysticos. Les 60e que tu cherches, c'est les jaunes ou les petits paquets à la fin des hobbies le plus? Les deux. Mais c'est surtout les golds, ouais.
Et ça, c'est fait. Tuk. Salut Carotte, comment ça va? Donc quand il y a une relique, on le voit, hein, le paquet est super épais, là-bas, il n'y en a pas. Ça va, écoute, on va s'ouvrir les blasters. Un par un. On en a 6 à ouvrir. Vous avez vos pseudos qui apparaissent en bas. J'ai pas mis moi ce que je garde du coup. Attends, je vais me le mettre en bas quand même, comme ça j'oublie pas si jamais ma page elle se ferme. Bandeau déroulant. Je me mets ce que j'ai moi. Aussi ce qui reste, quoi, ce qui n'a pas été FOMO. Augsbourg. Coin. Et Mayence. Voilà. Comme ça, on sait ce que j'ai aussi. Et en même temps, je me mets le match de l'Argentine en haut, comme ça, je regarde ce qui se passe. Mais regarde si une que t'as pas tombe. Ah si, c'est un délire, la piscine, c'est même dangereux. C'est clair. Ah non, mais si, il va pas faire tout le match, hein. Ticket. Julian Brandt, Dashner et la 60e pour Edenheim Maloney. Edenheim, je crois que c'est toi, Alpaga. Tu l'as? Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu l'as pas? Le ballon avance pas. C'est bien pour Messi qui marche. J'ai. Écoute, je fais le point aussi. Je fais le point sur ce que j'ai, ce que j'ai pas à la fin. Comme ça, on verra bien. Bejlo. En 60e hobby, j'ai ça pour le moment. Haaland. Enmecha, Duranville, Ito et Guirassy. Il est encore tombé hier, Maloney. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même qui tombe. Kramaric, Maier et... On tombe déjà sur une auto, les gars. Union Berlin-Voland. Incroyable, premier blaster autographe. Premier blaster autographe. Sachez que les autographes sont pas garantis dans les blasters. Le premier qu'on ouvre, il est tombé. Union Berlin, c'est pour qui? C'est pour toi, Alpaga? Union Alpaga. Alpaga, il prend tout en Bundes. Bah ouais, il cherche les cartes manquantes, donc... GG Alpaga, écoute, une auto de bord de base, hein, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Le petit volant dans l'auto, on prend. Vous avez vu le petit Joao Neves là derrière? Qu'est-ce qu'il est beau. Je vais la mettre en vente la carte, je vais la mettre sur Vinted. J'ai bloqué le compte Vinted de madame sans faire exprès. J'ai créé un deuxième compte Vinted parce que... Je vais pas mélanger les cartes et ce qu'elles vendent, sinon je laguais ma connexion. J'espère qu'ils vont lui débloquer. J'ai pas fait exprès, j'ai mis le lien et je sais pas qu'on n'ait pas le droit de mettre de lien. Musiala. Ah, Vinted, il rigole pas avec les doubles comptes, c'est pas so rare. C'est pas un double compte, là, c'est un... Si tu veux, en fait, sans faire exprès, j'ai mis deux fois la même photo. J'ai mis des cartes Bundesliga Gold justement. Et j'ai mis deux fois la même photo. Ils ont cru que c'était la même annonce. Ah, celle-ci est numérotée sur 275 Gossens de l'Union Berlin. Encore pour toi. 154 sur 275. Une légende de Francfort. Corbel. Et une 60e anniversaire de Leipzig. Simons. Celle-ci, je crois que je l'ai pas. Alpaga. Simons, faut que je regarde, mais je crois que je l'ai pas. Je crois que tu l'as, toi. Ça va, Union Berlin, on dérange pas?
Avin, ouais, c'était pas un double compte, c'est juste que j'ai mis, sans faire exprès, j'ai mis la même photo sur deux annonces, mais les annonces n'étaient pas les mêmes, hein. C'est juste qu'ils ont pas aimé qu'il y ait deux photos pareilles. Donc ils ont suspendu le compte pour l'instant. Prends-la si tu l'as pas. Bah pour l'instant je mets tout de côté, et quand je ferai le tri, je te dirai. Parce que si je commence à regarder mon livre maintenant, on n'a pas fini, hein. Il y a 6 blasters à ouvrir. C'est gentil, Alpaga, mais. De toute façon, je regarderai ce que j'ai et ce que t'as pas aussi, mais. Parce que je crois que j'avais déjà fait le tour. Hein. Ça fait les enculés par ce soir. La Mousticos qui arrive, qui a toujours le même message, c'est salut, ça touche. Paris s'est trouvé son message d'entrée. Salut les enculés par ce soir. Allez, Boniface. Grimaldo. Je crois qu'on est sur un paquet de commandes. Donc on a déjà sorti un auto sur le premier blaster, les gars. Fingraf. Et Kimish. But Argentine, le golf se trouve. Tut. Quand il y a Tom, sinon c'est salut les beaux gosses et Tom. Il est là, Tom, hein? Wind. Il est là, il est là. Tu aurais pu rentrer comme ça aussi. Aronson. Stage. Et Granit Xhaka pour notre Skinox. Granit Xhaka en 60e. T'es là, notre Skinox ou pas? Tu m'as pas dit, j'ai pas capté si t'étais là ou pas. Je vais mettre les 60e d'un côté et les légendes de l'autre en carte. Donc on a déjà sorti une auto. Incroyable. Parce que les autos sont pas garanties et à chaque fois on en sort. Hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. Je te dis que mes cages sont boostées. Et bimbé. Besteux. Lukeba. À York. Papalapap. Goretzka. Oh, une petite numérotée. Dayo Upamecano sur 399. La 109. 109 sur 399. Derrière, on a Werder Bremen, Diego. Et en 60e anniversaire, Cor de Mayence. Mayence, je crois que c'est un spot qui est resté pour moi, ça. Fais voir, Cologne, Mayence. Cor, je crois que je l'ai. J'irai bien. Je verrai bien. Si tu l'as pas, Cor, tu me dis. Alpaga. Parce que je crois que je l'ai. Je vais vérifier, mais. Je vérifierai après, de toute façon. Je regarde le stream, comme ça, tellement brille. Tellement ça brille tout ça. Ouais, ça brille. Hein. Ah, la Bundes, c'est top scrum. Hein. Donc, 1-0, qui c'est qui marque? C'est Otamendi. Putain, j'avais hésité à le prendre. Et je me suis dit, non, il est trop vieux. J'ai pris Tagliafico. Y'a personne qui lui a fait la passe D? Remarque, tu peux pas avoir de passe là dans ce match. C'est Coco, Rack, Vinted, double compte. Datchefi, c'est quoi ça Girona? J'ai pas compris. On voit vraiment tout le temps les mêmes golds, c'est fou. Ah mince, j'ai essayé à mettre mon Chiesa relique dans une boîte. Ça passe pas, je savais pas. Et ouais, les reliques dans les boîtes, je t'ai dit, les boîtes, t'as différentes tailles. T'as les 35 PT pour les cartes normales. La Chiesa que t'as eu, ça doit être une 100 PT, je crois, un truc comme ça. Ou une 130, je sais plus. Allez, deuxième blaster. Lunettes de soleil, Matt. Ah, je l'ai fait trop briller. Je les ai trop vers le ciel. Ah, j'ai la lampe. Les chromes, c'est abusé. Et je prends des plus grandes. Bah, je vais en commander différentes tailles pour pouvoir vous les proposer sur le site. J'en ai mis en 130 PT. Ah, mais je crois que c'est dans les 130 PT que ça rentre. Dans celle que j'ai. Attends, fais voir.
les reliques. Je te dis ça de suite. Les reliques que j'ai. Elles sont mes reliques à moi. Les boîtes que j'ai, je crois que ça rentre dans les. Ouais, 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 c'est ça. Les boîtes que j'ai, c'est pour les reliques, c'est ça. Les 130 PT que j'ai dans la boutique. On peut vérifier en live. Ouais, toi, c'est les 130 PT, c'est celle que j'ai dans le. Les select, toi, la select de Neves. En carte épaisse, en relique, comme ça. C'est les mêmes. Hein. C'est les 130 PT que j'ai dans la boutique, que je vends dans la boutique. Attendez pour les quelques reliques que j'ai. PD, c'est le gars de Venezuela qui dégage au point dans le cul d'un des défenseurs. Mais non. Si t'as bloqué le message, t'as mis PD. Shaibi. Kobel. Hertha Berlin. Celle-ci, elle partira en giveaway à la fin du live, les gars. Comme il n'y a que cette carte au Hertha Berlin. Il n'y a pas d'autre carte que cette légende. Elle partira en giveaway parmi l'un des acheteurs. Hertha Berlin. Et Schlotterberg en 60e anniversaire. Joli. Joli Nico Schlotterberg. Et j'essaie dans la boutique de vous proposer les différentes tailles parce que selon ce qu'il y a, c'est vrai que ça part. Alors ça, ça sera en giveaway. Je n'ai pas Schlotterberg normalement. Ah mais c'est pas moi le paga qui a pris Dortmund. C'est ni toi ni moi pour une fois. Mais c'est pas pour moi, ouais, c'est ni pour moi. Même moi je l'ai pas, pour te dire. Pour une fois que je le fomo pas, il tombe. Incroyable. C'est incroyable le paga. On est poisseux. Hein. Ah bah Juventino est là en 60e, tu vois. En 60e comme ça. Parce qu'elle est 60e comme ça. Ou en 60e, c'est-à-dire en anniversaire comme ça. Je l'ai dans un blaster, enfin. Oui, comme ça. D'accord, ça marche. Bah ouais, Kalpaga, il l'a pas. Si tu veux pas la collecte. Alvero, ça y est, il veut bien focus. Toussard. Atubolu. Et Tapsoba. Salut Marzakod. C'est pas les tailles qui comptent de toute façon. C'est un match kata alors. Bon, du moment où. Là, c'est roulé dans les cages, du moment où ça prend pas de but, c'est bien. Ranos, moi ça me va hein, si ça prend pas de but. Pas mécano, on a une petite carte numérotée là. Elle va être à l'envers. Oh, Duranville Dortmund sur 399. GG à la personne qui a choisi Dortmund ce soir. Petite numérotée là. Et derrière, on a Ginter Fribourg. Joli Fribourg. Ça a été FOMO Fribourg ou pas? Fribourg, ça a été FOMO. Ginter. C'est toi, Kevin. Ah, ça tombe bien. Hein. Ginter pour toi, GG. Demain matin, Futera. Mars et Code. Demain matin, la Futera, elle arrive. Faut aussi que Messi garde. Marque pour toi. Ouais, il faut aussi que Messi marque. Ouais. Il me faut un clean sheet. Une passe D de Tagliafico à Messi et on est bien. Ça va pas prendre de but si c'est Rouli. Attends. Ça va pas prendre de but si c'est Rouli. Il joue dans le plus grand club d'Europe quand même. Ça doit être ça, il a dit phénomène. Salut Gosfroy, comment ça va?
On ouvre 6 blasters Bundesliga là et après on fera les enveloppes mystères. Il reste 12 enveloppes mystères. Elles sont à 30, on va commencer à ouvrir. Et une fois que Musiala il sera tombé, et ben je descendrai le prix des enveloppes à 20. Urich. Donc du coup, au début j'avais dit que j'ouvrais rien tant que tout n'était pas FOMO, mais comme ça FOMO pas. T'as réfléchi à un tarot pour João Neves. Monsieur Coco, j'ai pas regardé, j'ai pas du tout regardé à combien ça se vendait là, les dernières ventes. Je crois que ça se vend dans les 20-30, non? Entre 20 et 30. Vankara. Et le Erling Haaland pour Kevin. GG. Erling Haaland en légende comme ça, elles sont rares celles-ci. Hein. Celles-ci elles valent un petit peu. Elles ont une petite valeur quand même. Berisha pour Hoffenheim. Moi, Haaland n'est pas comme ça. Normal. Ouais, parce que t'en as deux. Je peux te les montrer après. Il y en a deux différents. Il y a celui-ci et il y a celui en 60e. C'est-à-dire, il y a celui en comme ça. Donc, il y a une partie noire ton Haaland en fait, toi. Il est marqué en bas en noir. C'est normal. T'as deux versions de Haaland. T'as celle-ci et t'as l'autre en 60e. Je peux te la montrer après. J'ai les deux. Je vais te la montrer maintenant, j'ai les deux donc si j'ai pas fermé la porte, ça va aller. Alors, la lande. Le classeur, il est là. Le classeur, il est là. Il est là. Il est là. Il est où le lande? Alors, t'as un lande. Il est où? Et le lande normal qu'on vient de voir là. Ok. Et après, il y a l'autre. Là, tu l'as pas vu. Et après il y en a un autre, il est où? Toi t'as lu comme ça. Toi c'est celui-là que t'as. 60e. Bon j'ai envie d'avoir une 60 ans MDR. Ah j'ai cru qu'il était plus rare mais je préfère les cheveux lâchés de Haaland. Ah le plus rare c'est celui-là. Hein. Quoique non, je t'ai dit bêtise, c'est l'autre, celui que t'as, il est plus rare. Parce que celui-là, dans les blasters, il tombe tout le temps. Celui que t'as, il est plus rare parce qu'il tombe que dans les pochettes, tu sais, dans les pochettes jaunes qu'il y a dans la fin des hobbies. Je pense que tu peux vendre 35 à 40, Neves, beaucoup demandé. Et sur Vinted, t'as les Parisiens et les Portugais, très présents, les Portos sur Vinted. À 35-40, tu dis, je peux le vendre? D'accord, ça marche, bah, je regarderai, je ne l'ai pas encore remis en ligne, Neves. La signature est belle en plus. Hein. En plus, moi je le présente dans une belle boîte. C'est ce que j'allais dire, théoriquement, les petites pochettes c'est plus rare. Attends, je laisse ouvert, sinon ma femme elle va me tuer avec le bruit. Hein. Martel. Frimpong. Demirovic. Et Riedel. S'en fout du focus. La Neves, c'est le troisième que tu as trade le doublon. Non, c'est le troisième. On a sorti trois João Neves en auto. Et le mien en plus, il est en. Celui-là, il est en réfractor. Les autres, elles n'étaient pas en prisme. Celle-ci, elle est en prisme. Et les deux premières que j'ai sorties, elles n'étaient pas en prisme. Donc j'ai eu un peu de chance. Mais j'ai sorti trois João Neves quand même. C'est incroyable. Hein. Ah ouais, j'en ai sorti trois. Et celui-là il est en prisme, donc bah, tant mieux, t'es kiff. Triplé, ouais. Trois fois João Neves. Godze. Sterlen. Qu'est-ce qu'on a là? Elle est à l'envers, je sais pas ce que c'est. Numéroté sur 275, Edenheim. On a les deux qui se suivent. Et derrière, on a Sesko, Leipzig. Sesko, je l'ai, moi. Il plaît beaucoup ce joueur? Ouais, c'est la mode. C'est pour ça qu'il faut le vendre en ce moment. Je pense qu'il faut le vendre parce qu'il se vend bien.
Donc je vais pas le garder, je vais le mettre sur Vinted. Bah, je vais regarder les prix, mais si tu me dis entre 35 et 40, j'irai bien. De toute façon, c'est pas compliqué, je me mets au floor price hein, quand je veux vendre. J'ai eu beaucoup de retours aussi sur le auto que j'ai sorti hier soir. Donc on verra si si l'Orson il veut la vendre ou pas. Toutoutout. Lordsoon, il me fait vendre ses cartes, il me fait vendre les AO. Petite question, vu que je connais pas encore tout, Tops ne fait pas de box Ligue 1. Non, les Ligue 1 c'est chez Panini. Matt doit savoir, mais pas à ma connaissance. Non, non, ils font pas. Tops, ils font tout ce qui est Team 7 Paris Saint-Germain en fait, si tu veux. Ils vont te faire des box comme ça, toi, des petites box. Pour chaque club, donc Paris Saint-Germain. Bon, là, ils font que Paris Saint-Germain, du coup, pour la Ligue 1. Mais ils font Paris Saint-Germain. Ah, j'ai des nouveautés, les gars. Je peux avoir des nouveautés sur les Manchester City qui arrivent. Les nouvelles. Par contre, c'est des hobby box, elles sont plus grosses que ça. Elles sont plus sous ce format-là. Elles sont plus grosses. Il y a beaucoup plus de cartes dedans. Je crois qu'il y a. Là, il y a 30 cartes dans celle-ci. Dans celle qui arrive, il y a 45 cartes. Mais il y a des dingueries, je peux vous montrer les photos après si vous voulez. Tops, non, ils font pas de ligue, hein, je pense pas. Puisqu'ils font pas mal de championnats. Bah en fait, tu auras dans les. Si tu veux, ils vont faire les. Tu auras tous les clubs de Ligue 1 qui sont en Champions League et tout ça, mais après sinon non, ils vont pas se spécialiser dans le. C'est la troisième là. De Neves? Ouais, c'est j'en ai sorti 3, ouais. Et je pense pas que Tops fasse de la Ligue 1, Carotte. Eux, ils font vraiment les gros championnats ou les gros clubs. La Ligue 1, c'est que Panini. Après, c'est peut-être une question de droit aussi, hein, je sais pas. Je crois que la Ligue 1 est une exclue chez Panini pour 10 ans. Ouais, donc tu vois. Si c'est une question d'exclusivité aussi, c'est peut-être ça qui fait que ça bloque. Non, ils font pas l'OM. Je sais. Marmouche, Chouen et Friedel. Allez, Chouen, vous oubliez. Putain, encore? Eh ouais, il est éblouissant ce joueur. Hey, Lorsoun, comment ça va? Ok, c'est bien ça. Ils font que les gros clubs alors, tu dis vrai. Voland, Maloney, Xavi Simons et Wiper de Mayence. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les clubs de Ligue 1 qui sont dans les grosses compètes, et ben tu vas les retrouver chez Tops, mais. J'étais sur un Doku sur les attentats de Nice. Quelle idée d'y vivre? Qu'est-ce qu'il dit? Sur un Doku, ah d'accord, sur un Doku, moi j'étais. Sur un Doku des attentats de Nice. Au fait, du coup, la Midnight de Full Krug, 6 sur 12 auto. Je l'ai prise à 27 et je la vends au même prix pour Alpaga ou toi. J'ai oublié de vous dire dans l'euphorie du live. Ça marche, ça marche, ça marche. Écoute, je crois que la Full Krug pour Alpaga, on en a sorti deux. Une ou deux hier. C'est dans le live d'hier qu'on a sorti la Full Krug. 20 à 30, Girondins, les deux sont millionnaires. Abusé avec un simple camion, les morts. Ah ouais, ça a fait carnage. Hein. Maintenant, tu peux plus le faire parce qu'ils sont sécurisés, tu peux plus rentrer avec les. Des voitures sur le truc. Oh, qu'est-ce qu'on a de beau là? Une Loukeba sur 250. Mec, il a fait un carnage. Hein. Il y avait un feu d'artifice en fait. Et avec le camion, il est monté sur le trottoir et il a roulé tout le long de la prom, quoi. C'est avant-hier, pardon. Tu, tu. Cool.
Il est sur 5, ouais. Si je retrouve la vidéo de surveillance de mes mags, je te l'envoie. Emma, si tu la veux, dis-le-moi. Non, la full group comme ça, pour l'instant, m'intéresse pas. Girona, c'est gentil. Tut tut tut. Tut tut tut. Je cherche les sur 25, les numérotés sur. Elle est numérotée sur combien, toi, tu m'as dit? Moi je suis un peu bizarre sur 27. Moi je cherche sur 25, c'est un peu con. Steeler sur 12, ah ouais. Ah c'est une belle num. Hein. Moi je cherche que des numes sur 25 parce que c'est la couleur orange qui me plaît bien. Je devais recevoir un spot Roma de Girondin, mais il veut pas l'envoyer. Il est battu là. Allez, grosse teub. Pour Dortmund encore, c'est pour Kevin, c'est pour toi. Et Gladbach qui tombe enfin. Gladbach avec Franck Honorat. Je t'ai mis un petit truc en plus, Lord Soon. Car tu as eu que deux cartes. C'est gentil ça. Ouais, moi je fais pareil. Là j'ai notre Skinnok justement. Hier il y a eu sur le spot Merlin Bayer-Leverkusen. Il a eu que deux cartes. J'ai une petite surprise pour lui, mais j'aimerais qu'il passe pour lui montrer. Et pareil, j'ai le Leu du Portugal aussi qui a eu que deux cartes. Du coup, si le Leu du Portugal est là, dis-le-moi. Je regardais pour te mettre un petit truc en plus, mais j'attends que tu sois là pour savoir ce que t'aimes. Totti Sini, ouais. Honora? J'ai arrangé mon livre ou pas? Je crois que je l'ai moi. Tu l'as, Honora, ou pas, Alpaga? Bon, Alpaga en priorité, et puis après, moi je passe après Alpaga. Hein. S'il manque Honora, est-ce que je l'ai? Je vais te dire ça. C'est quel club, Honora? Gladbach. En perso, moi je l'ai pas. Perso, je l'ai pas. Le phénoménal. Je les ai tous sauf lui. J'ai Ranos, Reitz, Itakura, Kanvakara, mais j'ai pas. Je ne l'ai pas. Je te l'offre. Oh! C'est gentil ça. Il m'en manque une trentaine. Hein. Je suis à peu près au même niveau que toi. Merci pour ce petit cadeau, ça fait plaisir. Bah écoute, je ferai des petits cadeaux moi aussi. Normal, Sanchez, c'est un Parisien, sport de Paris. Merci, ça nous aide à compléter du coup, les phénoménaux. Le jour où j'ai complété cette collecte, je suis le plus heureux. En 60e là. Je te ferai une petite relique. Je te ferai une petite relique d'un caleçon, elle fait phénoménal. Je te ferai une photo de moi. Comme ça, sur une carte, avec une petite relique. Et les traces de pneus. Sur les match balls, c'est des traces de ballon, des traces de chaussures et de pelouse. Bah, tu auras le caleçon avec les traces de pneus. Monsieur Coco, il veut il veut un caleçon troué, lui. Fribourg, même en base, c'est tristo. Pourtant, ça tombe des fois. Avant, ça tombait souvent, Fribourg. Je préfère les pattes de ton chien, Ender. Attends, il est vivant pour l'instant, je vais pas lui couper les pattes, le phénoménal. Ben, il est bientôt, il est en fin de vie là. Donc je pourrais bientôt t'envoyer ses pattes. Troué signé. Ah, carrément, troué signé. Attends, qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce que je suis salace. Osterage. Tietz. Et. Karasor Stuttgart. Je comprends pas, il a 13 ans, il est toujours en forme, il court dans tous les sens. Le veto me croit pas quand même. Elle est obligée de regarder la date sur le carnet pour vérifier qu'il a bien 13 ans. Non, les empreintes, le. Ah, pardon! Tu l'as pas, Carazor? GG! Qui c'est qui a Stuttgart?
Sewald. Adli. Reitz et une Num. Sur 399 de Maloney. Combien il nous reste de blaster là? Il en restait 3, on a fait la moitié. Toudou. Oh, j'arrive pas à viser le trou. Ah, oh, ça va, il y a des belles Nums. Hein. C'est bien quand on ouvre 6 blasters comme ça. Parce que 6 blasters, au moins, les gens qui font une équipe, ils sont sûrs d'avoir quelques cartes quand même, tu vois. C'est pour ça que je voulais faire sur 6 et pas sur 3. Je trouvais que sur 6 les prix c'était cohérent. C'était pas trop cher. Ouais, j'ai enlevé le gros paquet là qui me gêne. De fou, toujours le même club. J'ai eu toutes les nues, même dire. C'est vrai. En même temps, t'as FOMO tous les clubs. Mais Stuttgart, c'est le Paga, donc nickel. Impeccable. Bah voilà, on va t'en trouver. On va t'en trouver encore. Elles sont très dures à trouver, les 60e. Au début, c'est bien. Mais quand t'arrives sur la fin. Ouais, je sais qu'il m'en manque une trentaine à peu près. Sur 100. Pas de reliques pour l'instant. Après, les reliques sont très très rares. Tu sais qu'on a eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance de trouver 2 reliques sur 30 boîtes. Hein. Parce qu'il y a normalement, t'as une relique tous les 1120 boîtes. Et on en a trouvé. On en a trouvé 2 déjà. La troisième Griffo, je l'ai acheté. Là, merci à JJ, c'est grâce à lui parce que moi j'étais bloqué sur eBay. En fait, tu peux pas faire. Je peux pas faire d'enchères, moi je sais pas pourquoi. J'ai le Hollandais back gauche de Dortmund l'an passé à 60. Tits. Je peux pas faire d'enchères, je peux faire que des achats immédiats, je sais pas pourquoi. Et du coup, JJ me l'a prise. Et en plus, on a eu énormément de chance parce que la Griffo, c'était la Griffo relique donc, sur 25, hein, parce que je fais que les sur 25. En fait, le mec, il avait vendu. J'ai mis l'enchère à 25, elle était partie à 25,50. Et apparemment, l'acheteur ne s'est pas manifesté. Du coup, il a rappelé JJ, le gars, pour dire que. Il lui faisait. Donc c'est cool. Du coup, on a eu relique de Griffo pour 25 balles. Pavlovic. Ce sera ma petite collecte. Alors j'ai vu qu'il y avait une. Eh bien, Stuttgart, ça. Ok. Pourquoi tu souffres? Gurassi. Et une auto de Goretzka. Goretzka, Bayern Dominique. Celle-là, je l'ai pas. J'ai essayé de la négocier sur Vinted, mais mec, putain, il. Avec les frais de port, des fois, si t'as qu'une seule carte, ça vaut pas le coup, toi. J'essaie de faire des lots. J'ai pas un joueur. Mais si, ça va venir. Julie, tu peux l'avoir. Oh, merci, JJ. Ah, ouais, pas le gars, JJ. JJ, il doit bosser. Non, il doit pas bosser, là, parce que sinon, il doit dormir, parce que sinon, il serait. S'il était au travail, il serait sur le live. Mais quand. On va y arriver. À deux, on va y arriver, Alpaga. Et Gruda. Rookie card, Mayence. Numéroté sur 275. T'as une carte? Ah ouais. Gruda, Mayence. T'as des numérotés Bundesliga, j'en ai une tonne. D'ailleurs, dans les enveloppes, il y a un peu de Bundes. Il y a un peu de Bundes parce que j'avais plein d'autos sur 75. Et du coup, j'ai fait des paquets Bundes avec des Nums et des autos. Brunner. Njima. La petite légende. Bayern de Munich. Basler et Denis Zendav, joli. Denis Zendav, Stuttgart, le stade Stuttgart. Zendav. Marrant, des fois les 60e, comme t'as pas de décor derrière, toi ça fait pâle. Il faut faire ça pour bien le voir, mais.
Non, il tombe pas souvent, je crois. Oh, je l'ai pas non plus. Je finis officiellement Stuttgart Gold. Let's go. Ouais, il tombe pas souvent une dave en gold, en, comme ça. On va y arriver, Alpaga, on va y arriver. C'est pour ça que je voulais en ouvrir 6. Je me suis dit, si j'en ouvre 6, je vais au moins lui trouver deux cartes. Bon, après, on arrêtera sur la Bundes. On y reviendra plus tard quand ils feront des packs en promo. Première équipe que je finis, c'est vrai? Angels. Openda. Gruda. Itakura. On a trouvé qu'une auto pour l'instant. C'est déjà pas mal, hein. Il nous restera deux blasters derrière ça. Pam pam pam. Allez, Kaminski. Furich. Schmidt. Elles peuvent tomber en auto aussi, 60e. Oh, joli, Daniel Mo pour Leipzig. Daniel Mo. Je crois que je l'ai faux-moté sur Vinted celui-là. J'ai une commande qui doit arriver. Je crois que c'est Olmo que j'ai faux-moté, je sais plus. Faut que je regarde. Matlouk, si tu as Simons, 60e. Si tu l'as, je veux bien échanger Ginter contre Simons Alpaga. En 60e comme ça, en gold là? Non, je l'ai pas, il m'a dit qu'il. Ginter contre Simons Alpaga. Non, je l'ai pas justement, il m'a dit qu'il me l'a donné tout à l'heure. Attends, c'était laquelle? Celle-là, je l'ai pas, Simons. Justement, je lui avais dit que je l'avais pas. Les trades, c'est le dimanche, bande de tricheurs. Ouais, ben là, avec Alpaga, comme on est que deux à faire la collection complète des 60e, on se le fait en direct. Je vais le trouver. Ouais, oh, oui, bah attends, il va peut-être retomber, hein. Shaibi. Alvero. Et une petite num sur 399. De Kainz. Elles sont belles de cette couleur. J'aime bien. La numéro 6. On va voir si c'est pas son numéro de maillot. 6 sur 399. Tout. Allez, encore deux blasters. Deux blasters, après je m'en ouvre un pour moi. Et je vous ferai cadeau les cartes, parce que les cartes je m'en fous en fait. Et du coup, toutes les cartes communes des équipes que vous avez fomotées, bah, je vous les mettrai dans vos paquets. Dommage, c'est des Allemands. C'est quoi la carte la plus rare que tu as chopée lors d'une ouverture? Je pense que c'est la. C'est pas les One of One, parce que bah, bon, on a chopé des One of One, on a trouvé 3, 4, 4 One of One, on a trouvé. On a trouvé une One of One de KDB, une One of One de Leao, une One of One de Van Dijk. Donc t'en as qu'une de carte comme ça, donc c'est assez rare. Mais après, celle que j'ai bien aimée, c'est la Mbappé en auto sur 7, 7 sur 7. Après, on a eu la Yamal en patch, numéroté sur 10. Et une que j'ai bien aimée, c'est la Harry Kane. Après, c'est quelqu'un qui n'a pas de trophée, donc c'est dommage, mais Harry Kane, auto 3 sur 3, en patch. Donc la totale, elle avait patch, autographe et numéroté 3 sur 3. Donc 3 sur 3, c'est beau aussi, quoi. On a eu Neymar signé, qui était très très belle en carnaval. On a eu des belles cartes, hein. Allez, Bayern Munich, c'est la deuxième qui tombe là. Et Goretzka encore, tu vois. Deux fois Goretzka. Moi, je t'ai dit, je l'ai pas, il tombe deux fois ce soir. Ce qu'on cherche, c'est un deuxième Simons. Une boîte blaster vide? Ouais, bien sûr, ouais. Je te mets tout de suite de côté, sinon j'oublie. Allez. Elle est déjà sur ton paquet. T'en envoyer plusieurs même.
Alors, beer. Beer. Nkunku. Duranville. Sabitzer. C'est un paquet de commandes. Pas de relique, hein? Ah, les reliques, c'est très très dur à trouver. T'as, j'ai vu une relique de One of One, justement, de Xavi Simons. De cette série-là. Le mec, il en veut 9 900 €. One of One auto relique. Tietz, je pense que tu l'as vu aussi. Elle est numérotée de Fulrich, Stuttgart. Et. Undav qui tombe pour la deuxième fois. T'as, faut que je regarde. Je sais pas si je l'ai Undav, Alpaga. Je regarderai après. Le point, je te rachèterai parce que t'en as beaucoup. Tu vas pas me les donner, hein. Je t'ai racheté. Double patch dinguerie là, Simon. De toute façon, c'est que des double patch hein, sur c'est des double match ball relique sur cette collection. Merci, Lord Sun. Je vois à quoi ressemble à Tobolu. À Tobolu, je l'ai sorti en autographe, moi, sur celle-ci. Je l'ai en auto. En auto, 60e anniversaire. Adli. Rates, parce que ça tombe souvent en... Oh, le Hertha Berlin. Oh, voilà. En auto, incroyable. En auto, incroyable. Ah, celui-là, il partira pas en guillot, les gars. Le Hertha Berlin, il n'y est pas. Dinguerie. Ah ouais, celui-là, dinguerie. Incroyable. Incroyable. Auto 60e de Marcelinho. Anguille, merci. Pap, 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 pap. Un petit support. Ah, j'ai plus de support. C'est incroyable. Honda. T'as celle-là, elle partira en give. Elle est là, la Marcelinho en give. Pam, pam, pam. Je l'ai vu aussi en 60e anniversaire avec les 60 derrière qui tombent, elle est jolie. C'est une erreur ta carte. Ouais, Pavlovic. James. Graphite de Wolfsburg. Et Daniel Mo, deuxième fois. Incroyable. Je te dirais si je l'ai, je crois que je l'ai pas, Daniel Mo. Putain, je vais devoir encore te lâcher des sous, Alpaga. Avec tout ce qui sort que j'ai pas là. Mais je crois que je l'ai faumoté. Il faut que je regarde sur Vinted si je l'ai pas faumoté. J'ai des commandes en cours qui doivent arriver. Là, elles sont pas toutes arrivées. Alors après, il reste encore un blaster. Et. Je vous ferai cadeau d'un blaster, c'est-à-dire que j'ouvre le blaster, je prendrai dedans les cartes qui m'intéressent pas et je vous donnerai toutes les autres. Donc toutes les cartes communes, elles iront pour vous déjà. Donc, tous ceux qui ont fomoté ce soir, parce que moi j'ai toutes les communes déjà. Et après les 60e, et ben vous choisirez. Wirtz. Deuxième auto qu'on sort hein, dans les blasters, en plus c'est pas automatique les autos, et là on en a sorti quand même deux. Et moi qui ai jamais FOMO, presque j'ai la Bundes complète, MDR. Ah bah les bases ça va vite. Hein. On a sorti une carte pour Juventino. Brunner. Brunner, Brunner. Njima. Oh, Coman. Coman. Et Unzenbaisige de Cologne. Cologne en rookie card. Cologne, ça n'a pas été fomoté. Tu l'as ou pas, Alpaga, celle-là, Unzenbaisige. Je crois que tu l'as parce que j'en ai mis une sur Vinted. Donc c'est, si je l'ai mis sur Vinted, c'est que tu l'avais pas. Sinon, je l'ai. Ouais, je sais que tu l'as. Celle que j'ai mis sur Vinted, c'est celle qu'on avait déjà fait le point, donc...
Comme je sais que je l'ai mise ce matin. J'arrive pas à te trouver des doublons que j'ai moi et que t'as pas. Mais pourquoi il y a des trucs dans les boîtes là? Ça se fait. Comment ça fait rentrer des miettes là-dedans? Je prends le truc neuf et il y a des miettes. C'est des morceaux de carton ou... C'est quoi ton pseudo Vinted? One of One Collector, si tu peux pas faire plus simple. Je l'ai ouvert ce matin le compte. Parce que j'ai bloqué, sans faire exprès, j'ai bloqué le compte de ma femme. Du coup, je lui ai dit, attends, je vais ouvrir un compte pour moi. Comme ça, toi, tu vends tes trucs de ton côté. Et... J'ai mis ton auto de Patrice Evra, Lortsoun, sur Vinted. Comme ça, si on la vend, ben voilà. Tout simplement, ouais. Ah, moi, je fais simple, hein, quand je fais des pseudos. Je fais tout pareil partout. On a sorti une sur 5 hier, je crois. Une sur 10, je sais plus. Je crois que la dernière fois, on a sorti une petite de numéroté Alpaga. Non ? Il n'y a pas de relique, les gars. Je suis désolé. Après, il reste un dernier paquet que je vais ouvrir pour moi et je vous offrirai les cartes. Il ne va pas s'ouvrir, celui-là. Gurassi, Birds, Adamu et Pacho. Ça fait longtemps que j'ai pas trié de la Bundes. Regardez les noms des gens qui ont fumoté là. Il y a beaucoup de nouveaux. Alpaga, est-ce que tu veux que j'offre toutes les cartes que tu prends pas en base à tout le monde là? Parce que là j'en ai trop moi à la maison, j'en ai 3 tonnes là, je peux plus. Enjima, grosse queue, vas-y offre. Ouais, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont fumoté là sur la Bundes et qui fumotaient pas avant. Kevin, El Phenomeno, tout ça. Je leur offrirai toutes les cartes de base qu'on comprend pas. Les miennes et les tiennes et ainsi de suite. Sabitzer. Les nouveaux, veuillez vous présenter. Bah, je les vois dans le chat. J'ai hâte de découvrir la Futera demain. D'ailleurs, faut que j'envoie un mail à l'allemand là. J'ai pas reçu mes cartes encore. J'envoie un mail. Ou envoie-les-moi s'ils veulent pas me dire. Ah oui, ça marche. Je suis nouveau. Sur ceux qui ont fomoté, j'ai dit. Comme ça, je leur envoie dans le même paquet. Angels. Gruda. Et une petite num de Stash. Hoffenheim. Bonjour nouveau. Ouais, Juventino, de toute façon, je voulais répartir, il n'y a pas de souci. Si Alpaga, il est d'accord, je lui impose rien. Si Alpaga, tu les veux, je te les envoie, les cartes. De toute façon, Alpaga, j'en ai plein, je peux t'envoyer une collection de base en double, si tu veux. Parce que j'en ai pas vendu encore. J'ai baissé le prix, là, j'en ai pas vendu. Non, je n'aime pas Juventino. Bonjour, quelle carte m'offres-tu en tant que nouveau? J'ai dit que je ferai aux cartes nouveaux faux moteurs sur ce spot. Ken, escroc. Escroc, Ken. Toutes les cartes en double là de. Qu'Alpaga il prend pas. Pour ceux qui viennent de commencer la collection, qui viennent d'arriver là, El Phenomeno, Kevin. Je sais qu'ils n'avaient pas FOMO avant la Bundes, puisqu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Osterage pour Borum. Du coup, ça peut les aider à compléter la collection qui vient de commencer. Vu que je vais plus en faire,
pour le moment, la Bundes. La Bundes depuis... je me suis abonné à ton Vinted. Ah merci le phénomène. Bah écoute, comme ça, quand je mettrai les annonces, tu verras. Il n'y a toujours que 1-0 là, l'Argentine. C'est à mi-temps. Il n'y a que 1-0. Hein. Ça score pas trop. Hein. Quel match de merde. Ils font exprès de mettre deux fois le même joueur en gold. Bah, c'est des blasters aléatoires donc. Schmitz. C'est pas sur le même blaster. Kobel. Alvero. Tu verras la mienne aussi. Exactement, les phénoménaux. Merci, Carotte. Bah, merci, les gars. Écoutez. De toute façon, les cartes que je vais mettre, c'est les cartes que vous verrez en live. Donc. Poussard. Sauf des fois je fais un peu d'achat-revente, hein. J'en achète sur d'autres comptes Vinted et puis j'achète des lots et je revends à tout boulou. Oh, Stuttgart, Kevin Curiani, on l'a pas vu ce soir, mais il est déjà tombé. Mais Tietz de Augsbourg, goal à tout boulou, à tout boulou en common. A tout boulot pour Juventino. Curiani, j'en veux bien une, Matt. Je pourrais la faire signer un jour si je recroise. Pour Liani. Ah mais là Stuttgart, c'est pas mon spot. Lord Soon. Tapsoba. Je regarderai si j'en ai une en double. Je vais te dire ça tout de suite, attends. Ranos. Xhaka en numéroté sur 250. Ouh, Diego Werder Bremen. Qui c'est qui a pris Werder Bremen? Incroyable. Là, Diego en signé. On a sorti trop d'autographes, les gars. C'est incroyable. 6 blasters, 3 autos. Werder Bremen. Qui c'est qui a fomoté ça? C'est Alpaga. GG, Alpaga. La belle auto pour toi, regarde. Bon, comme c'est pour toi, je te la mets dans un beau truc. Bien étanche à la... À... Bien étanche. Deuxième légendinier, incroyable. Incroyable ce soir. Une chacun. Ça mérite la chanson de Johnny. Diego, top joueur en plus, passé par la Juventus. Pour savoir, tu as déjà sorti le Kaisit, Johan Miku, Matt? Ouais, je l'ai... En fait, je l'ai commandé. Je l'ai commandé parce que j'ai un mec qui vendait toutes les cartes comme ça, justement, toutes les Kaisit là, pour pas cher, et du coup je lui ai acheté. Mais je l'ai pas sorti, non. J'en ai sorti deux des Kaisit, mais pas Miku. Werder Bremen. Très belle, très belle. Voilà, voilà. Je connais pas ce joueur. Les Kaisit, elles sortent très rarement, Girondins. On a sorti très très peu des Kaisit. Hein. J'en ai sorti une num. J'en ai sorti deux pareilles, dont une numérotée pour Alpaga. Mais on a sorti très très peu. D'ailleurs, moi je crois qu'en Kaisit, j'ai pas grand chose. Alors attends, je regarde pour Lord Soon. Il m'a demandé s'il y avait un Curiani. Est-ce que je l'ai en double, Curiani? Curiani, je l'ai en double, Lord Soon. Regarde, je te le mets dans ta boîte. Petit cadeau. J'annonce, tu vas avoir 4 gold que j'ai pas dans ton blaster. Ouais, mais si je les ai, je te les donne du coup. T'inquiète. Allez, les gars, j'ouvre un blaster pour moi. Mais, comme j'ai dit, toutes les cartes common qu'il y a dedans, elles iront dans vos paquets. Moi, j'en fais rien. Et les golds que j'ai déjà, elles partiront dans vos paquets aussi. Allez, ça c'est en plus, c'est cadeau. Est-ce qu'on va avoir encore une auto? On a eu 3 autos sur 6 blasters quand même, les gars.
On est vraiment, vraiment à chaque fois je suis bien servi sur les blasters. C'est dans celui-là qu'il y a Kimi signature? Ah je sais pas. C'est dans celui-là qu'il y a la relique, tu vas voir. Enfin, pas de relique déjà. Allez, c'est parti. Ah, si on a encore une signature, c'est trop cheaté. On a déjà eu 3 signatures sur 6 blasters. Bah, je suis content, je t'ai sorti une légende signée. Tiens, le paga. Tapsoba. Petit Diego en plus. Tapsoba. Ranos. Upamecano. Stoger. Bah, il n'y a que des common. C'est pas de chance, hein. On va remettre un peu de musique. Allez, un peu de disco. S'il y avait une relique, je portais plainte. Ouais, les reliques, c'est très très rare. Franchement, tu sais qu'on a eu beaucoup de chance d'en sortir deux déjà. Déjà, d'en sortir une, c'est extrêmement chanceux. Mais alors deux... J'annonce d'avoir 4 gold que j'ai pas. Ouais. Hoffman. Allez, la Mario Blaster, j'ai mis en giveaway à la fin. Parce qu'elle est sortie deux fois en plus déjà dans le paquet de la personne qui a Bayern de Munich. Et Schuen, tu l'as pas celui-là? Tu l'as celui-là ou pas? Moi je l'ai déjà, je crois. Est-ce que t'as Schuen, Alpaga? Et deux pour toi, alors que tu fous beaucoup moins. C'est vrai. Et c'est des spots qui partent pas à chaque fois, hein, Alpaga. Moi je fais que... Que subir le fait que vous n'achetiez pas les spots, hein. Oui, Shuen, je l'ai là. Ok, ça marche. Giveaway alors. Giveaway avec le mec d'Hertha Berlin, Marcelinho. On va faire une petite course de canard. Ulrich. Leroy Sané, Bancara et numéroté. Oh, Grimaldo numéroté sur 75. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Belle, ouais. Sur 75, elles sont bien. Je préfère les sur 25. Mais sur 75, on prend. Ça part toujours bien, ça. Allez, c'est parti. Martel, Frimpong, Demirovic et Friedel. Est-ce que tu l'as, Alpaga? Je crois... Attends, je crois que je l'ai pas, Friedel. En plus, je crois que je l'ai commandé sur Vinted aujourd'hui. C'est marrant. Si tu l'as pas, je crois que je l'aurai en double, du coup. Pour le coup, Friedel... J'ai pas. C'est vrai? Bah, t'as de la chance, je l'ai acheté sur Vinted. Je te jure, c'est vrai. Je l'avais pas, je l'ai vu dans un lot, là, je l'ai pris. Et du coup, bah, ouais. Ah, je vais garder celle que j'ai breakée. Friedel, je l'ai pas. C'est la numéro 14. Et là, je suis sur le 15. Ouais, donc je l'avais pas. Bon, je vais recevoir une à la maison, je te la mettrai. De Friedel, bien sûr. Je vais voir l'Honora, là. J'avais pas l'Honora. Il me manque une de Augsbourg. Honora, Honora. Honora, c'est la 80. Elle vient là. Ah, j'ai des gros trous quand même. Montre le carnet là. Bah, le problème, c'est que le carnet, je peux pas le mettre sur la table, toi. Tu verras rien. Et la caméra, elle est pas assez de recul. Il faudrait que je mette la caméra par-dessus et que je fasse défiler les pages pour que tu vois bien. Bah, dès que je la reçois, le paga, je te la donnerai. Quoi? Ah, sur la table. Lidl, Godze, Bichuayu,
Faudrait que je vire tout ça là au fond et que je mette mon carnet au fond pour les faire défiler, que tu vois bien. Cette fois, c'est suffisant de compléter son classeur. Ah ouais, complètement. Ah, c'est la chasse, c'est ça qui est marrant. Coman. Graphite, je le fais partir en giveaway, les gars, ça aussi. Et Voland. Oh, je crois que je l'ai. Putain, je crois que je l'ai commandé aussi, Voland. Tu l'as, Voland, ou pas? Parce que je crois que je l'ai commandé aussi et que je l'avais pas. Je te jure, c'est vrai, je l'ai. Et les deux cartes que j'ai sorties là. Graffité, pardon. Graffité, je suis chaud si jamais. Je vais faire un giveaway. Hein. Je l'ai pas. C'est vrai, tu l'as pas? Bah pareil, je l'ai commandé sur Vinted, bah tu vas l'avoir en cadeau. Voland, je l'avais pas. C'est la numéro combien? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je l'avais pas. Bah écoute, les deux que j'ai commandés sur Vinted, bah, je te les offre. Parce que du coup, elles sont tombées ce soir. Putain, en fait, faut que il fallait que j'aurais pas dû commander avant de. Ouais, ça tombe bien, tu les auras toi, donc. Ça te complète par rapport à ce que tu m'as. Ce que tu me files aussi. Je suis content de t'en donner, toi. Parce que toutes les doubles que j'avais, tu les avais déjà, c'est chiant. Allez, dernier paquet, les gars. Après, on arrête sur la Bundes. Ce sera fini. Fini jusqu'aux grosses promos. Ferry, Wimmer. Et on termine par une numérotée. Et que 3 cartes ou quoi? Ah non, il y avait 4. Et Pavlovic, joli. Sur 299 en rookie card. Tu fais les erreurs que tu m'as dit de ne pas faire. Exactement, Alpaga. Alpaga. Ouais, mais je savais pas que j'allais ouvrir un paquet. Je savais pas que j'allais ouvrir un paquet pour moi. En fait, j'avais 7 paquets, j'ai dit allez hop, j'en fais 6, je fais un break de 6 et un paquet à la fin que j'ouvre pour moi et que voilà. Donc, du coup, je me sors ça à la fin. Je vais vous montrer tout ce qu'on a sorti depuis le début. Et ça, c'est quelque chose qui partira en giveaway sur la fin. Graffité, Schwen, Bassler et Marcelinho. Je ferai une course et bah, les 4 premiers, chacun aura une carte. Vous choisirez dans l'ordre d'arrivée ce que vous voulez. Ça marche ? La deuxième gold que tu as eu, je l'ai pas vu. Bah, c'est Voland. Non, c'est pas ça. J'ai eu Voland et j'ai eu qui? Bah, je sais plus qui j'ai eu, attends. J'ai eu Voland et. Que je t'ai dit que je l'avais pas et que je l'ai commandé, c'est Friedel. Attends, je la ressors, je te la montre. Friedel, tu m'as dit que tu l'avais pas non plus. Mais pas focus. Ça a été la baisse, il y en a eu que 3 je crois. Ou alors c'est parce que j'ai sorti Tietz, je sais plus. Tietz, il était dans celui-là de paquet ou dans. Non, ou c'était dans l'autre ça. Bah écoute, j'en ai eu que 3. Hein. Je me suis fait douiller. Parce que j'ai eu que Friedel. Voland et l'autre là. Et Schwen. Bah je me. Ouais. Et Tietz. Sinon, ouais, sinon c'est que c'était Tietz. Et comme je l'ai déjà. Attends, je crois que je l'ai déjà, hein, je vérifie, mais. Tietz de Augsbourg. Normalement je l'ai mis dans le paquet là, c'est pour ça. Augsbourg, ouais, Tietz, je l'ai. Il manque un de Augsbourg, je sais pas qui c'est. C'est le numéro, carte numéro 3. En vrai, il m'en manque. Je vais te dire combien il m'en manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, il m'en manque plein quand même. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, il m'en manque. Je veux bien les BV en double si vous. Si vous les gardez pas, les BVB. Bah, y a quelqu'un qui a pris BVB, Kevin. Ah oui, les BVB qui sont sortis. Bah, toutes les BVB qui sortent ce soir, elles sont pour toi. Toutes les BVB en double. Toutes les BVB, elles sont pour toi, là, Kevin. Puisque c'est ton spot. Bah, je vous montre ce qui est sorti ce soir. Et après on fait le giveaway.
On a sorti Tietz, Osterage, Sabitzer, Usain Bajic, Olmo, Undav, Goretzka, Olmo, Undav, Goretzka, Karazor, Viper, Sesko, Berisha, Ginter, Schlotterberg, Kor, Xhaka, Simons et Maloney. Simons, je vais la sortir, tu m'as dit que c'était bon. Si tu me rajoutes des bases, possible que ça soit pas Wolfsburg, Dortmund, Leipzig, Fribourg. Marque-le moi dans le Discord, Juventino, sinon je vais zapper. J'ai pratiquement tous ces clubs sauf 2-3 joueurs. Bah dis-moi Juventino ce que t'as pas, ça ira plus vite. Il m'en manque 27 pour le moment, mais il y en a certaines que Juventino va m'envoyer, donc c'est pas le nombre officiel. Attends, je regarde, je crois que Olmo je l'ai pas. C'est toi qui as fait mon Leipzig parce qu'il est en double là dans ce truc. Je regarde ce qu'il y a en double. Undav et Goretzka, je crois, j'ai pas. Olmo, Undav, Goretzka. C'est marrant, ils sont sortis deux fois d'affilée, t'as vu? Olmo, Undav, Goretzka. Je crois que je les ai pas. Je vais vérifier après, je me les mets de côté. Je te dirai après. Donc ça, ça va partir en giveaway, on va faire une course de canard, les gars. Et toutes les bases, et ben je ferai le tri là. Demain. Demain, je me lèverai tôt, comme ça je ferai le tri avant avant de lancer Sorare. Après Sorare, il n'y a pas beaucoup de matchs, j'ai pas besoin de lancer trop tôt. Je ferai le tri demain matin, j'essaierai de vous faire les envois si ça a marché. Offre Ginter, Alpaga, il l'a pas. Je vais mettre sur ses boîtes, sinon je vais zapper. Ginter. Yes, merci. Merci pour lui. C'est la seule carte que j'ai eue. Oh bah c'est cool. Je lui mets sur ses boîtes là, sinon je vais oublier. Ah oui, je vous ai pas montré les légendes et les numérotés. On a eu ça. Grosse queue, Graffité, Bassler, Bassler, Grosse queue, Haaland, Diego, Corbel. Et après en hume. En hume, il y a eu Xhaka, Stash, Coman, Furic, Mainz, Gruda, Maloney, Lukeba, Sielsen, Duranville, Upamecano, Gossens et Voland en signé, en autographe. Donc on a sorti 3 autos ce soir. Une auto de base et 2 autos légendes, Diego et Marcelinho. Il y a eu des réfracteurs. Ça me paraît bizarre. Bah, tout est là en fait. Tout est là en carte spéciale. Il y a eu que des cartes numérotées en fait. Il n'y a pas eu de. Non, on a eu que des cartes numérotées. Ouais, ils sont tous réfractors. Il est marqué réfractor de partout. Sur toutes les cartes, il est marqué réfractor. Girona, il a raison. Elles sont toutes numérotées, du coup. Non, il y a vraiment des réfractors, normalement. Sur les bases, Matt, regarde. C'est... Bah non, il n'y a pas de réfractor. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. En comme ça. Alors, attends. Là, c'est compliqué à regarder. Je vais regarder si j'en vois comme ça au hasard. Hein. C'est super chiant à regarder. Il faudrait que je fasse comme ça. Ça n'a pas de sens. Sur les bases. Il n'y en a eu aucune. Non, sur le premier paquet, non. Yo, je viens d'entrer de classe de vacances après 12 heures de route. Ça y est, t'es rentré? On a ouvert toute la Bundes là. On a réussi à ouvrir ce soir. Non, il n'y a eu aucun réfracteur. Bizarre, hein? C'est chelou. T'en as eu des réfracteurs sur les bases hier, Girondin, quand t'as ouvert? Non, on n'en a eu aucune.
Ou alors c'est parce qu'il n'y en a que sur les hobbies. Sur les hobbies, on en a tout le temps dans le quatrième paquet. Oui, j'en ai devant moi des réfractaires en base. Oui, non, mais dans le hobby box, on en ouvre du Ventino. C'était pour savoir si hier Girondin en avait eu dans ses blasters. Je t'avoue que le colis est fermé, prêt à livrer, je sais plus. Non, il y en avait sur les blasters aussi. C'est bizarre, hein? Bah, j'en ai pas eu un seul là. Bah, après, ouais. J'y peux rien, hein? Je les ai ouverts devant vous, les gars. On a eu que des numes. Que des numes réfractaires, mais on n'a pas eu de. Mais tu sais que j'ai pas le souvenir, Alpaga, s'il y avait des réfractaires sur les. Ouais, go, coin, coin. Ken, le coin, coin, c'est pour les acheteurs là. Et. Je vais peut-être faire un give pour. Un gif pour pas les acheteurs. Un gif pour tout le monde. Ah, c'est compliqué à faire le gif pour tout le monde. Il hein. Y en a eu autant que Fribourg finalement. Laquelle je fais pas en. Il y a eu quoi? Alors je te montre. Je te montre que les inserts. Hein. En. Leverkusen, t'as eu ça. Xhaka en numéroté. Les Leverkusen, il y a eu quoi d'autre? Bon, t'as eu toutes les cartes de base. Est-ce que t'as eu dès les 60e? Graphite pour tout le monde, je veux que celle-là. Graphité, allez, ça marche. Et t'as eu Xhaka en 60e anniversaire. Et après, je crois pas qu'il y ait de légende. Non, pas de légende. GIF pour les acheteurs, moi aussi je vais graffiter. Ouais, de toute façon, il n'y a pas grand monde en plus des acheteurs. Hein. Tout, tout, tout. Alors, attends. On va aller sur les canards. On va faire les canards déjà. Je vais faire par rapport à la barre que j'ai là. Je peux vous mettre sur l'écran, je peux le faire en direct. Ah non, ça marche pas si je fais ça. Je suis obligé de revenir sur la. Sur l'autre écran, sinon j'ai pas les noms de ceux qui ont FOMO. Juventino, les uns aux autres, tu as trop de chance. Ouais, Juventino, pense à tout le monde un peu, pense pas qu'à ta gueule. Merci pour le fou rire. Duck Race. On va commencer par celle des acheteurs. Comme ça ira plus simple. 7. Name. T'as la raison, Alpaga. C'est pas cool ça. Alors, du coup, je retourne sur l'autre écran. J'ai même pas la définition du mot chance. T'as trop de chance, il a dit. Alors, Alpaga déjà. Alpaga, les a, elle a même pas besoin de faire la course. Hein. En acheteur, bandeau déroulant. Je vais pas attendre que le bandeau défile, sinon on va passer 3 jours. Natskinox. Natskinox. Kevin. El Fenomeno. Vous êtes pas beaucoup normalement. Phénoménaux. Moi je me compte pas. Bah vous êtes que ça. Natskinox. Alpaga. Kevin et El Fenomeno. Ouais, vous êtes que 4 pour la course. Tu vas voir, je vais gagner la course alors que j'ai rien à foutre. Ah ouais, mais attends, il faut que je mette au nombre de spots aussi. Name, edit list. Faut que je mette au nombre de spots. Je mets au nombre de spots ou je mets un par personne? Vous me dites. Parce qu'en vrai, Alpaga, il a 50 canards. Xinox, un canard. Kevin, un canard. El Fenomeno, deux canards.
Fais 15 spots, donc fais comme tu veux. Ouais, je fais 15 spots, de toute façon, après, sinon c'est Alpaga qui a toutes les spots, hein. La Phénoménal, il en a deux, sinon. T'es là, le Phénoménal, ou pas? Alpaga, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je fais quoi? Je te mets 9 canards, ou... Je sais pas combien t'as de spots, attends, t'as combien de spots? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors qu'il a déjà toutes les cartes, hein. 7, 8, 9, 10... Yes, je fais mes bêtes NHL en même temps. Je disais, je mets que 4 canards, je mets un canard par personne ou je mets 10 canards à Alpaga et me dire, tu veux vraiment que je gagne la course? Il a déjà, en vrai, je fais un spot par personne, les gars, il a déjà tous les, il a déjà toutes les cartes. Mais les Panthers vainqueurs. Allez, je mets un canard par personne. Les gars, il y a ces 3 cartes-là à gagner. Ça marche. Il y a Marcelinho, Basler et Chouen. Voilà. Vous choisirez dans l'ordre d'arrivée. Start. C'est parti. Toujours 1-0 pour l'Argentine. Et Phénoménal en tête. Kevin, Notskinox, Alpaga. Les trois premiers qui gagnent, et après je rajouterai les noms de ceux qui veulent gagner le graffité. Scène. Oh merde. Putain, le con. Oh, le con. 32 secondes, il reste. Pardon, les gars. Bon, c'est pareil, ça change rien, hein. J'ai pas pu faire avancer les canards plus vite. Hein. Il reste 24 secondes. On voit pas, mais allez, mon canard. Ah, j'ai pas mis de Juventino, attends. Pause. Parce que t'as faux mot à la fin. Attends, j'ai oublié deux noms peut-être. Il y a deux personnes, j'ai oublié. Merde, je pensais que ça allait passer. C'est pour ça que j'ai pas mis l'écran. Il y a toi. Si, si, il est juste à la traîne. Il s'est claqué. Ouais, il s'est claqué. Ouais. On recommence, les gars, on recommence. Alors, attends, parce qu'il y a deux personnes. Sur la liste, il y a deux personnes que j'ai pas mis du coup. En vrai. Qui c'est qui avait commandé en dernier? Bah, Juventino, c'est tout en fait. Y'a que toi que j'avais oublié. Je sais pas, j'ai pas envie de te mettre. Allez hop, c'est parti. DNT. Ouais, c'est parce qu'on le voyait pas. En fait, t'allais peut-être rattraper sur la fin. Bon, comme ça, vous voyez la course en entier. Incroyable. Après, on fait les enveloppes. Je sais pas si Joe Trivial t'est arrivé. Oh, le Venezuela, les gars, le Venezuela, il a marqué un but. J'allais perdre, allez. Et t'es où, Alpaga? Ah, il est en bas. T'es tout nu maintenant, c'est bien, tu vas gagner. Notskinox, il va remonter, il est tout nu. C'est lui qui va gagner. Il était derrière et tout nu. Normalement, Notskinox, il gagne. Oh, Kevin, il accélère. Ouais, ça va le faire. Allez, c'est parti, Notskinox. T'as gagné. Alpaga, deuxième. Et le Phénoménal, troisième. Tu veux quelle carte, Notskinox? Mon canard, il est trop technique. Pour une fois, choisis une carte parmi les trois. T'as Marcelinho, du Hertha. T'as Mario Basler du Bayern de Munich ou t'as la carte en 60e. Ça pour finir l'année, tu ralentis le rythme du live, Juventino. Tu me dis Noskinox, tu veux laquelle? Ah, tu vois rien? Attends 2 minutes. Si je te montre la scène, c'est mieux, non? La 60e. La 60e, celle-ci. La chouenne. Allez, ça marche. Je vais la mettre avec ton Wirtz, comme ça, j'oublie pas. Avec ton Wirtz, avec ton Xhaka. Comme ça, j'oublie pas. Ensuite, c'est Alpaga.
Marcelino ou Basler? Je sais que t'as déjà les deux, donc tu pourras faire l'envoi en point relais du coup. Ouais, je peux te le faire en point relais, notre Skinox. Si tu veux, je m'occupe de ton colis en priorité demain, mais j'ai un bug avec Mondial Relais en ce moment. En ce moment, ils bug et ils vont faire une maintenance ce week-end. Donc je sais pas si tu vas recevoir le mail. On a un problème, quand j'envoie les mails, vous les recevez pas apparemment. Alpaga, il hésite. Je comprends, Alpaga, que tu hésites, hein. Franchement, le choix il est difficile. Passe mon tour, je suis trop indécis. Eh, Phénoméno, tu veux quoi comme carte? Marcelinho ou Basler? Décide pour lui. Ah, Phénoméno, vas-y, dis-moi laquelle tu veux. Non, mais il les a déjà, c'est pour ça. Sinon, je donne le quatrième, et si t'en veux pas, Alpaga. Quatrième, c'est Kevin. Passe mon tour. Faites exprès, les gars, c'est pas possible. Vous voulez que le live il finisse plus? Bah oui, je donne, mais qui en veut? Apparemment, personne n'en veut. Mario. Et Mario pour le Phénoméno. Elken, tu prends rien du tout. On va refaire une course. Graphite, il y a tout le monde qui le veut. Vas-y, je prends moi. Notre Skinox, il prend, allez hop. Là, ces deux-là. El Phénoméno. T'avais quoi comme spot, El Phénoméno, déjà? El Phénoméno, t'avais quoi comme spot? Que je le mette sur une de tes cartes, que j'oublie pas. Ouais, tu sais quoi, je vais mettre un ticket dessus, ça ira plus vite. Je vais mettre un post-it. Phénoméno. Toc. Toc. Mario. J'avais déjà ton post-it de près. Incroyable, hein? Organisation. Ça. Et notre Skinox pour les deux. Dans une enveloppe. Marqué notre Skinox. Après, on va faire les enveloppes. Francfort, ça marche. Pour remplacer ce que j'ai pas eu dans la Merlin. Ah bah tiens, notre Skinox, j'avais quelque chose à te montrer. Comme t'as rien eu dans la Merlin, je te fais un cadeau. Je te fais un cadeau. Je te fais la Grimaldo, je l'avais eu moi en fait, sur 399, comme ça. Voilà. Comme t'as rien eu, t'as eu que deux cartes, je te fais ça en cadeau. C'est bon, ça te va ou pas? T'as pas eu grand chose donc. Allez, voilà, toi avec tes deux cartes que t'as eu, je te mets ça dans ton enveloppe tout de suite. Bah, je te mettrai avec, avec tout le reste là. Toc toc toc, ta Merlin. Ça, je sais que c'est toi. Ça, j'oublie pas, je te mettrai toutes les cartes. Ça, je sais que c'est toi. Notre Skinox, il y a ton nom dessus. Il y a Lulu du Portugal aussi qui a pas eu grand chose, je lui mettrai des cadeaux. Non mais les gars, en général, je mets des cadeaux à ceux qui ont rien. Je peux pas vous laisser partir sans rien, c'est pas possible. Une commande a été expédiée à cette heure-ci? Qui a envoyé une commande à cette heure-ci? Sans déconner. Graphite, les gars. On va faire une course graphite avec tout le monde. On va retourner sur l'écran. Et moi avec Fribourg, j'ai droit à Marcelino, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, Juventino. Ah, je dois bien avoir des cartes de Fribourg qui traînent quelque part. Allez, on va rajouter des noms. Bastien, il a rien non plus. Ouais, il a rien vu. Il a pas eu de chance. Désolé, Nastinoc, je pense qu'il faut que tu changes de club. C'est ce que je lui ai dit sur le Discord. Edit list. Bon, Ken, il veut participer. Il y a qui d'autre? Qui veut participer pour gagner un graffité? C'est pas te faire chier. Ah, pour tous ceux qui sont sur le chat, là? T'as pris tout le monde? Ça va me faire chier comme ça va mettre tous les noms à la liste.
Non, je demande à ceux qui veulent. Lord Soon. Tant que vous voyez pas votre nom, vous marquez moi je veux mon nom dessus. Girondin. Tous les viewers. Paris. Comme wesh. Il y a Vos aussi, allez je mets Vos. Moi je veux mon nom dessus, sinon ça marche pas. Tu mets ton nom dessus? 93-260. Qui c'est qui veut? Je t'accontre, les cartes sont pour moi. C'est bon, y'a plus personne? Vos, je t'ai mis, mais je sais pas si c'était en l'heure que t'écoutes ou si. J'ai mis ton nom. Natskinox. T'es marqué déjà Natskinox, t'as déjà un canard? Alpaga, Natskinox, Kevin, El Fenomeno, Juventino, Ken, Lord Soon, Girondin, Paris, Comwesh, Vos. X2. Ouais. C'est bon, y'a plus personne? Allez, on y go. Et Vos est pas là, MDR. C'est quoi cette histoire frauduleuse? Ah, elle parle pas, c'est vrai. Bah, apparemment, elle est dans le chat. C'est, il m'a mis la liste des viewers en fait. Il y avait Vos marqué. C'est pour ça que je demandais si elle était là ou si elle était en lurk. Pour qu'elle écrive un message. Il y a plein de gens qui sont pas, qui répondent pas, regarde, attends. Il y a Julio aussi, il répond pas. Céline, il répond pas. Il y a Carotte. Non, mais en vrai, que ceux qui le veulent. Hein. Que ceux qui réagissent dans le chat, sinon on va pas s'en sortir. Si j'écris toute la liste qui est écrite en haut là. Allez, ça a l'air bon. J'ai fait que ceux qui se sont manifestés. Allez, je mélange trois fois. D'ailleurs, j'ai pas mélangé. C'est parti. Tu peux mettre 20 canards à Juventino, il gagnera pas. Oh, merci Paris pour la liste du coup, mais bon, tu vois. Ils se sont pas manifestés. Allez. La graffité a gagné. Ah, Ken, tu parles de fétiste. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a Kevin. Kevin en bas, il est bien parti, moi, je dis. Sinon, Juventino... Ah, Juventino va peut-être gagner pour une fois. Juventino va peut-être gagner, regardez. Regardez ce que je vous dis. Ah non, il va y avoir Phénoméno qui va mettre un coup de boost. Phénoméno va baiser tout le monde sur la ligne. Ah, oh, qui c'est qui arrive comme ça d'en bas, là? C'est Kevin. Ah, Kevin. Kevin, il a mis le casque. Et le graffité pour Kevin. Je vais gagner le droit de rejouer, exactement. C'est pour toi, Kevin. Le graffité, il est pour toi. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. À vendre 100 euros. Trop bien, j'ai une pub sur le moment le plus palpitant. Ah, désolé. Comme diraient les influx voleurs, t'as 4 subs, t'auras pas de pub. Non, je rigole. Moi, je vous dis, installez un adblock. Comme ça, vous aurez pas de pub. Bah, de rien, Kevin, avec plaisir. Bon, on termine sur ça, c'est pas mal. On va faire les enveloppes, les gars. Joe Trivial, t'es là ou pas? T'as l'Argentine qui fait 1-1 partout. Ils ont encaissé Rondon sur une passe de Soteldo. Oh, t'as Galifico, 29. J'ai pris le pire scoreur. Non, Molina, c'était pire aussi. Ah, t'as Mendy, j'avais dit qu'il scorait tout le temps. Mais bon, il était un peu vieux, quoi. Tu peux faire une course avec moi, Yalpaga, seulement, juste pour voir, c'est un truc. Moi, si j'arrive jamais à couler. Je trie du Pokémon pour Refomo. Putain, j'ai fermé les canards, tu déconnes. J'ai fermé les canards. Non, on va faire la course de... On va faire les enveloppes, là. Je vais demander à Joe Trivial s'il est là. On va faire les enveloppes, les gars. J'ouvre les enveloppes. Elles sont à 30 tant que Mugella n'est pas tombé. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, Alpaga, merci. Merci à toi. Moi, je ferai le tri dans les cartes et je te dirai du coup si...
Celle que je recevrai, là, je te les mettrai. Tu m'as dit que t'avais pas eu. Il est vieux, mais en in-season, c'est pas très grave puisqu'elle passe en off. De toute façon, elle vaut plus rien. C'est pas faux. Donc c'est pour jouer que cette saison. Ouais, je te dirai. Mais déjà, de sûr, j'en ai deux que je vais recevoir et que t'as pas. Tu m'as dit que tu les avais pas. Tout, tout, tout. Je demande à Joe s'il est là. Heures le live aussi. C'est vrai que t'as fait un gros live hier, Girondin, c'est cool, hein. T'as vu comme c'est épuisant? Et tu vois pas le temps passer en fait. Je demandais à Josie là. Merde, j'ai pas mis le bon. Je vais pas ouvrir si Joe est pas là. Hein. On va attendre voir s'il répond, sinon on le fera demain. Sinon on le fera demain. Après le. Je sais pas ses horaires quand il a, je te parce que je le vois jamais trop dans le chat. Ouais, 8 h de live, c'était pas prévu. Mais l'ambiance chill a fait qu'on a tout ouvert. Bah c'est cool. Bah c'est le but aussi. C'est le but de tout opening. Bon bah prochaine ouverture ce sera la Merlin, les gars, je reçois une case. Ou demain ou début de semaine prochaine. Ça a déjà bien été FOMO, il reste pas grand chose là sur cette box. Le Real Madrid sera en giveaway. Demain soir, on va ouvrir la première box, la première case Futera. Mais qu'a aujourd'hui le taf derrière de juste de ouf. Ah ouais, quand tu ouvres beaucoup de cartes, Girondin, t'as vu le taf que ça donne. C'est pas prévu pour le moment, Ken. Kevin, pardon. C'est pas prévu pour le moment. Si j'en prends, peut-être c'est ou en blaster. Ou sinon, vous me dites que. Parce que en fait les boîtes sont très très chères et les spots très très chers. Je pourrais en reprendre si vous voulez avec un seul autographe dedans, ça reviendrait moins cher pour vous. Parce que pour moi ça change rien finalement puisque j'achète, je revends. La marge elle est pareille que je fasse sur 3 ou sur 1. Je marche pas des masses. Mais du coup, les spots seront moins chers si je prends des boîtes où il n'y a qu'un seul autographe. Vous me dites. J'ai hâte de FOMO la Merlin. Je me fais avoir à chaque fois. Masraoui opéré du cœur, mais non. Oh merde, je l'ai. Putain, c'est chaud ça. Je savais pas qu'il avait un truc. Donc je sais pas, vous me dites si vous voulez vraiment de la select en panini. Je peux le faire. Mais je pense que la dernière fois, comme on a fait une case complète, et que tout le monde a eu un peu de tout. En général, quand je fais une case, après, je sais que ça a du mal à FOMO, donc. Fait une réduction sur le Verkusen, je te jure. Il y a combien là? 29. Faut que je regarde la liste de ce qu'il y a dedans quoi. S'il y a que moi, s'il y a que moi, pas besoin. Mais il a senti des palpitations dernier match. Ah merde. Et du coup, opération du cœur. Ah ouais, c'est chaud. Je vais sonder un peu, Kevin, je te dirai. Voilà, en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours des nouveautés. Et jamais rester trop longtemps sur les trucs. Je reviens plus tard après quand ils les font en promo, quand ils arrivent plus à les vendre. Mais en général, je fais quand ça sort, comme là les Merlin, elles sont sorties, je les ai fait tout de suite, j'en ai enchaîné beaucoup. Là, j'ai encore de la demande, donc j'ai repris une case. La Ligue 1, c'est fini, on n'en fera plus. Sauf si vraiment il y a beaucoup de monde qui m'en demande, mais la dernière fois, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé, je l'ai fait pour ces 2-3 personnes. La Top Scrum, je vais voir. Ça, moi, la Top Scrum, j'ai eu ma dose, hein, perso, mais après, je sais qu'il y a de la demande. Et Merlin, je pense qu'on va faire une dernière case et après je vais attaquer les Stadium Chrome qui arrivent. Argentine, pareil, et City, j'ai même pas une carte. J'ai déjà tout en classique. Ah, c'était tout en classique, oui.
2-3 spots NBA. Bah, j'en parlais la dernière fois avec Juventino de la NBA. Il m'a parlé des box Phoenix qui sont super intéressantes. Je peux avoir des bons prix en plus. Il m'a dit qu'elles sortaient de partout à 370. Moi, je peux vous les sortir à 350 €. Et après, breaker, bah voilà quoi. Il faut que je répartisse les spots. Par contre, il n'y a que 60 cartes dedans. Donc ça fait que si je les fais au spot, il y a peut-être des personnes qui n'auront rien sur une seule boîte. Donc faut le faire au moins sur 3, je pense sur 3 boîtes. Et donc le prix de respot sera pas forcément donné quoi. Prends pas de top scrum, je vais tout FOMO. NBA Image m'en avait parlé. Tu peux remettre le lien de Stadium Chrome c'est dans le Discord. Vous allez dans le Discord et il y a les Stadium Chrome. Sauf sinon si tu l'as pas, bah, je te montre en live. Blabla cards. Faut que je remonte plus haut du coup. Je l'ai pas épinglé. Stadium Chrome. Allez, c'est parti. Stadium Chrome. Tut tut. Vous aviez ça qui expliquait. NBA, c'est soit la roue avec les 30 équipes, soit l'équipe. Mais l'équipe, ça partira pas pareil, comme je t'avais expliqué. Ouais. J'ai beaucoup de points de chaîne à force de miser sur vos défaites à Fortnite. Sachez que j'utilisais tout en ouh pendant la NBA. Je plaisante, bien sûr. Donc, il y avait ça. La première carte qui ressemble à ça. Après, il y avait quoi? Après, il y avait du Giroud comme ça. Donc là, ils expliquent. Tout est expliqué. Hein. Je l'ai mis sur le Discord. Hein. Vous pouvez voir sur le Discord. Il y a 100 cartes de base. Après, ils expliquent les différentes numérotations. Ici, avec les couleurs. On a fois dans Super Fracteur parallèle. Sur 4, en Red Orange électrique. Sur 5, en Red Réfracteur parallèle. Voilà, ça explique tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, il y a les inserts, les cartes inserts qui sont expliquées là. Donc, il y a des Sage Cheese, des Fully Charge et des Glimpse of Gold. Glimpse of Gold, c'est celle qu'il y a ici, donc du coup, avec Joao Neves. Pareil avec les numérotations, tout est expliqué. Ensuite, il y a des cartes. Donc, en insert, des Main Stage, des Beam Team. Donc, c'est ce qu'on a là, la Beam Team avec Vara. Et des Rival Vision Book Card. One Card, Two Rivals. Ça utilise la technologie lenticulaire. Ok. Après, on a les autos, bien sûr. Donc, les autos comme ceux-ci de Harry Kane. Donc, ça, c'est les cartes de base avec l'autographe. Et après, on a un insert autographe relique ici. Pas un insert, mais un autographe relique de Bellingham. Donc, autographe relique. Il n'y avait pas les reliques, je crois, dans les dernières Stadium Chrome. Donc là, il y a les reliques qui arrivent. J'ai perdu quelque chose. Donc, ça, moi, je les ai préco déjà. Bof le design. Ouais, il faudra voir Phénoméno toutes les cartes. En général, elles sont exceptionnelles. Les cartes, elles sont bien. Elles ont des petits reliefs et tout. Elles sont bien. Je pense pas qu'ils aient montré sur la présentation les plus jolies cartes. Je pense pas qu'ils aient montré les plus jolies cartes. Après, perso, je peux avoir aussi des. Je vais pouvoir préco là, les nouvelles. Comment ça s'appelle? Les nouvelles box. Je cherche le truc. Je vais regarder si j'ai le mail. Les nouvelles box. Alors ça c'est le baseball, c'est pas pour vous. MLB, Lucas. Il m'a mis où les box Manchester City. Manchester City. Je vous télécharge toutes les images. Alors,
Je suis obligé de faire des captures d'écran de tout. Les Manchester City. Les Blue Moon comme ça. Go enveloppe ou dodo? Bah du coup je crois à dodo parce qu'il a pas répondu. Il a pas répondu de jeu trivial, j'aimerais ouvrir quand il est là quand même. C'est dommage d'ouvrir s'il est pas là. Ken prend-en une et il te l'ouvre. Non, d'abord j'ouvre en priorité, j'ouvre Joe Trivial, puisque c'est lui qui a faux mon premier. Donc les nouvelles box Manchester City 2024-25, les gars. Je peux déjà en préco, je peux déjà en commander. Il y a plus de cartes qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez, avant il y avait 30 cartes. Et là il y a 45 cartes pour le coup, dont une autographe par box. J'arrive pas à voir ce qui est écrit là. Une autographe par box. Deux numérotés et une lunar. Je vous explique après ce que c'est la lunar. Donc ça, t'as les cartes de base ici. Les lunars, c'est celle-ci avec Erling Haaland. Et en fait, les cartes, elles existent différemment, avec les lunes qui tournent. Sympa, je veux en préco si possible. C'est combien la box? Bah, je peux pas te dire en fait combien elle sera en prix public encore. Moi, j'ai que mon prix fournisseur. Et en prix public, elle va être beaucoup plus chère que 60 euros comme c'était avant, quoi. Je pense qu'elle sera beaucoup plus chère. Je pense qu'elle va tourner aux alentours des 150, un truc comme ça. Et il t'a dit ses numéros, juste personne les prend. Ouais, il m'a dit ses numéros, en gros on peut faire comme ça. Si quelqu'un prend des enveloppes là, je peux lui dire celle-ci, tout sauf numéro un tel et un tel. Si vraiment il y en a qui veulent des enveloppes, c'est possible. Donc là il y a les cartes lunaires. Les cartes lunaires comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. Ah, les cartes de base. Les cartes de base, elles sont belles. Hein. Franchement, les cartes de base, elles sont très très belles. Voilà, ça, c'est les cartes de base. Tout, tout, tout. Manchester Blue. Il y a même des demoiselles. C'est une demoiselle, ça, ou... Memeda. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a, hein, tout ce qui est possible dans les boîtes. Donc les autos. Je peux pas télécharger le fichier, je peux juste vous mettre des images comme ça pour l'instant. C'est quoi ce truc? C'est pas ça que je veux. Les autographes en Gold Moon ou en Blue autographe. Ok, après il y a des inserts. Donc ça c'est dans les box Manchester City 2024-2025. Sympa, je vais en préco. La case, il y a combien de box? Je vais te dire ça, attends, bouge pas, c'est 12 box dans la case. Donc ça c'est des inserts avec le bateau de pirate derrière, c'est marrant ça. Moonshine, Sail Away, Total Eclipse. Ok, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, c'est ça le truc en fait, les Lunar Phase. On va le voir avec Erling Haaland. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, on voit les différentes phases de la lune qui évoluent là. En fait, elle s'est encerclée à chaque fois. Elle est mise en surbrillance. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 8 cartes à collectionner là. Pour avoir les différentes lunes. C'est un peu... Je suis pas très très fan. Je préférais à la limite les cartes où il y avait les lettres derrière et tu pouvais faire par exemple Haaland, toi, avec toutes les cartes.
Mais là, les différentes phases de lune, on voit pas grand-chose, je vois pas trop la différence, toi. Je vois pas l'intérêt en fait. Ah, il y a des mecs qui vont faire la collection hein, de toutes les lunes, mais je trouve que la carte, elle est pareille tout le long en fait. Ah si, derrière son dos, tu vois, ça change en fait, pardon. Tu vois la pleine lune ici, au milieu, et tu vois les lunes derrière qui évoluent, derrière son corps. Mais c'est pas, ouais, c'est pas ouf. C'est pas oufissime en fait. C'est pas une grosse dinguerie. J'aurais préféré les lettres derrière, le H, le A, le A, le L, le A, le N, le D, tu vois, faire le Aland. Genre un truc comme ça, mais la lune. Ouais, c'est nul, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas moi qui fais les collections, hein. Je suis pas designer, les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, ils ont fait des trucs sympas. Ils ont fait des trucs sympas. On en parlait hier, si je me demande des cartes dessinées. Et ben, il y aura ça dans les. Il y aura ça dans les box aussi. Les Blue Moon Sketch Cards. Sympa, non? Ça, c'est sympa, ça, j'aime bien. Ça me plaît bien. T'as le Foden, il est terrible. Il est terrible, Foden. Ils ont fait ça sur Star Wars. Ouais, mais là, ce sera que des One of One. Ouais, ce sera que des One of One, ouais. Exact. Ce sera un exemplaire unique. C'est incroyable, tu chopes une One of One comme ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, j'ai une Vlahovic en dessin comme ça, dans une grosse boîte, 130 points. Je crois, c'est magnifique. C'est qui à gauche, man? Ça? Je sais pas. L'action va être dure à faire vu le nombre de cartes, non? Aguero, d'accord. Ouais, je sais pas moi. Je connais pas tout le monde. Hein. Blue Moon. Voilà, c'était la collection Blue Moon. Donc ça, je peux les préco. À mon avis, vu le prix des. Vu le prix auquel ils me les proposent là. À mon avis, elles vont sortir au moins 150 balles la box. Au moins. Minimum. C'est tout ce qu'il m'a envoyé. Après, il m'a envoyé du baseball. Après, c'est de la MLB qu'il m'a envoyé. Touloulou. Meilleur buteur de City All Time. Ouais. En NBA, tu as quelle box en blaster? En NBA, en blaster, attends, je vais dire ça. En NBA, en blaster 2024-2023. 2023-2024, en blaster, je peux avoir. Les blasters Prism Europa League. Euroleague, pardon. Prism Euroleague 2023-2024. Je peux avoir les Panini Prism Basketball. Je peux avoir les mosaïques, Panini Mosaïque. Et je peux avoir les dons russes optiques basketball. Et après, est-ce qu'il y a encore des blasters? Après, c'est du 2023. Euroleague oublie. Non, bah, je t'ai tout dit là. Je t'ai tout dit. Les Panini Prism, les Panini Mosaïque. Le reste, ça va encore. J'ai que ça en blaster. Et après, je peux avoir les Phoenix, comme je t'ai dit, mais les Phoenix, elles sont hors de prix. Moi, les Phoenix, je peux les sortir en prix public à 350 euros. Donc après, si je fais des spots, voilà, faut voir. Sont pas donnés. Je peux avoir plein de choses en vrai. Hein. Je peux avoir aussi du. Comment ça s'appelle? Je peux avoir de l'UFC, je peux avoir du basketball, je peux avoir du hockey, je peux avoir du football américain, je peux avoir du baseball. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des trucs des stars. Prism, c'est pas mal, mosaïque aussi, mais pas foufou, c'est pas si cher aussi. Mais Phoenix, le top, ça fait penser à Select. D'accord.
UFC, j'en connais un qui va vite se ramener. C'est Lim. Non, mais il kiffe l'UFC, mais il kiffe pas le, les cartes. Hein. Voilà, ouais, je peux avoir tout ça. Les garbage aussi. Les tops garbage. Et les baseball. Ouais, c'est vaste, hein. Après, on peut faire du Star Wars, on peut faire plein de choses. C'est qu'on se farcit, ça finit par 37. Bah, il m'a pas répondu, je trivial, je suppose qu'il est parti se coucher. Ça me fait chier d'ouvrir s'il est pas là, les gars. Faut que je vous le dis franchement, je vais voir avec lui. Quand est-ce qu'il est dispo? Je vais ouvrir ses enveloppes. S'il y a quelqu'un qui veut former une enveloppe, et ben c'est pas grave, on retire celle qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il prenait la 4 et la 12. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent FOMO, sachez qu'il y a déjà la 11, la 7, la 4 et la 12 qui sont partis. En gros, c'est ça. Les enveloppes, elles sont à 30 euros tant que le Musiala n'est pas tombé. Elles passeront à 20 quand le Musiala sera tombé. Dans chaque enveloppe, il y a une signature ou un patch, des cartes numérotées. Une carte numérotée et des inserts et des bases. En Phoenix, tu as deux autos, un patch de garantie. Tu as aussi 9 numérotés en 16 paquets, c'est dingue et les cartes sont belles. Ouais, Juventino, mais après, il faut, voilà, vu le prix des box, il faut qu'il y ait du monde en basket. Hein. Il faut qu'il y ait du monde en basketball, autant de monde que sur la Select, comme j'ai fait la Select. Hein. Regarde la petite vidéo que tu nous as mis si tu veux. Donc ça, les cartes. Les cartes basketball dont nous parle Juventino. On va aller voir à l'écran. Juste regarde pour toi ton avis propre sur les cartes. Donc ça, c'est le Phoenix que je peux avoir. Donc où on vend à l'unité de box à 350 euros. Ou breaké. Et breaké, comme je vous ai dit, il y a à 50 cartes il y a dans une box. Il n'y a que 50 cartes dans une box. 50 cartes pour 350 euros, ça fait cher. Hein. Avance à l'ouverture. Ouais, c'est comme les Select. Oh, elles sont belles comme ça en saphir. Ah, tu t'es gouré de vidéo, c'est pas ça? Attends, c'est des phoenix, non? Ah, elles sont plus jolies celles-là déjà. Elles sont belles les cartes. Elles sont vachement belles. Ouais, j'aime bien. Donc ça, c'est les Phoenix. Il y a beaucoup de fans de basketball ou pas? Si jamais on prend des baskets. Après, perso, si je fais la basket, Juventino, faut que tu me viennes en vocal. Moi, je connais pas les joueurs. Ce serait la découverte. Oh, l'auto. Desmond Bane. Toi, je connais pas lui, par exemple. Là où toi, tu vas faire « Waouh, ouais, super !» Moi, je vais dire « Ouais, d'accord. » Après, ça peut être marrant. Hein. Je serai présent en vocaux le soir. Donc, Phénomène, t'es chaud. Juventino, il est chaud. Un sondage sur le Discord. Parce que celles-ci, c'est vrai qu'elles sont vraiment belles, mais elles sont vraiment chères, quoi. Et donc deux autos possibles, de la NUM. Ouais, jolie celle-là. Elles ont des belles couleurs. Hein. Numérotées. Ah, elles ont les NUM derrière, par contre, c'est con. Hein. C'est con les NUM derrière. Hein.
Précise que ceux qui votent chaud, c'est pour Fumo. Ouais, bien sûr. Ouais, Num, mais derrière. Je suis vraiment pas fan. Tellement hâte que ça reprend la pré-saison. J'en peux plus. Ça reprend quand, là? Oh, joli. Les Nums, elles sont pas grosses, hein, c'est bien. Moi, je suis chaud. J'ai FOMO, soit je prendrai 2-3 équipes. Soit 2-3 spots. Ça reprend la ligne du 22-23. Ah oui, bientôt. Ouais. Ok. Bon, bah, merci pour la découverte. Écoute, je ferai un petit sondage. Et si vous êtes nombreux. T'as un partout? Oh, mais si, il a fait que ça. Tagliafico, il a fait de la merde. Ah merde, j'ai coupé la musique. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais couper. Bah du coup on fait pas grand chose, on va rien faire en résultat. T3 qui va pas tenir je pense. Ah mais y a Rodrigo qui joue à 2h du matin, attendez, j'ai encore un truc intéressant là. J'ai pas vu ça, bouge-toi pas. J'ai une line-up intéressante là. J'ai pas vu ça. Après si peu de monde, il y a des blasters hobby moins chers. Que celle-ci pour les fans à bas prix. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça qu'on va étudier du Juventino. On va étudier s'il y a du monde sur le basketball. S'il n'y a pas beaucoup de monde, je prendrai des petits blasters de trucs ouais, moyenne gamme et puis voilà. Parce que le haut de gamme, c'est bien, mais il faut du monde. Il faut du monde. Bon, bah écoutez, on a un petit match à 2h du matin. Moi, je vais me coucher parce que je dois me lever tôt demain. Mais Haaland, bon choix de capitaine hein, pour une fois. Haaland, j'ai failli mettre Zellarayan qui a marqué aussi, mais Haaland qui fait 100, ça fait 158 points. Radeki qui encaisse 2 buts, il fait quand même 57 avec 2 buts encaissés, heureusement qu'il n'a pas pris de 3ème. Et Konaté malheureusement qui fait que 55. Voilà, donc on a un petit match, j'espère que Rodrigo il va être efficace. Il y a qui au Brésil qui joue là justement? La line-up, Sami Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Abner, Paqueta, André, Savinho, Rodrigo, Rafinha et Igor Jesus. Je suis fan de NBA en général, j'ai aimé ce que t'as manqué aussi. Et j'avoue avoir un petit faible pour Milwaukee après, et toi? Ça y est, ça va parler MLS. Là, bah, je suis deg à ma line-up, franchement, c'est dommage. Hein. C'est dommage, j'ai eu la chance avec Barcola qui est rentré, Irvine qui est bien scoré. Mais malheureusement, Messi n'a pas scoré, Tagliafico non plus, et Maignan non plus. Il a encaissé son but. Là, c'était une line-up en plus, parce que j'ai pas de gardien. Elle était pas mal quand même. Hein. Bon choix de capitaine. Bon, Zellarayan ou lui, c'était kiff-kiff. Guimarèche, il est sub. On me l'avait dit en plus, hein, mais bon, je l'ai mis dans une team poubelle. J'avais dit team poubelle parce que l'Angleterre, ça joue contre la Grèce. Finalement, la Grèce a gagné. Incroyable. Et Vargas qui a encaissé son but. Hein. Qui c'est qui m'a dit que la Bolivie c'était nul? Ils ont gagné 1-0. Je t'ai dit, les matchs internationaux c'est une dinguerie. Il faut pas se fier au. Il faut pas du tout se fier à ça. Hein. La Colombie qui a été battue par la Bolivie. Saka est sorti sur blessure, il a eu quoi? Je sais pas du tout, Paris, j'ai pas vu. Faut qu'on aille chercher les infos parce que là. J'ai pas vu du tout. Parce qu'il est sorti tôt en plus. Donc Bolivie, Colombie, Vargas a encaissé. Take Kubu était remplaçant, hein, je vous l'avais dit les gars. Qui c'est qui était sur le chat qui me dit oh Take il va jouer, c'est un match important. Ouais, je vous l'ai dit l'entraîneur, un match sur deux il fait. Salut Tipster, comment ça va? Take Kubu était remplaçant, il a joué 2 minutes, il a joué. Et encore il a réussi à perdre 2 minutes, il a réussi à perdre des points. C'était sûr à 1000% qu'il n'avait pas joué, je l'ai mis en training non? Ah non, je l'ai mis dans une All-Star. Ah oui, j'ai mis dans une team poubelle. Sans gardien, j'ai mis dans une team sans gardien. Ah mais Thomas, il a pas scoré. Guillaume, il y a 10 depuis la 20ème. Ah oui, ils ont été chauds quand même. Ils ont été chauds. Le Japon 2-0. Ok. Bon, bah les amis. Hey, le retour. Qui est-ce qui stream à cette heure-ci? Savoir qui je raid.
José. Rosé. Suivi. Et Yo Max. Mais Yo Max, à chaque fois que je le raid, il voit même pas. Et Castro, il fait de l'ouverture aux États-Unis, les gars. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas nombreux. Tout. Manuel Ferrara. Tu penses que j'ai top 1? Ah, lucarne opposée au pire. Ah ouais, s'il y a lucarne opposée, oui. Lucarne opposée, il est sympa. Recherche et filtrer. C'est moi que je suis plus abonné. J'ai fait le tri l'autre fois, j'ai dû enlever du monde. Lucarne opposée, allez. Je vous envoie chez lucarne opposée, il va commenter les matchs. Je sais pas s'il va commenter les matchs du Brésil, on va regarder. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, les gars, puis je vous dis à demain. On fera les enveloppes plus tard, du coup. Quand j'ai essayé de contacter Joe Trivial, et puis je vais voir avec lui quand est-ce qu'on peut faire les enveloppes. Allez, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et puis demain, j'essaie de vous envoyer les mondiales relais. Si jamais les mails y partent, tant mieux. Sinon, tant pis, on attendra la semaine prochaine. Allez, ciao! Et le Paraguay, ce qui nous donne pour l'instant.